continue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Renaud Camus s'entretient avec Jean-Pierre Salgas. Premier entretien. Et de nouveau, une table, une fenêtre, une table près d'une fenêtre, et la vue, les vues. Alors cette phrase, Renaud Camus, c'est la première phrase de votre premier livre qui s'appelait Passage. Et quand on la lit, même encore maintenant, on pense tout de suite, à cause de la vue, on pense à Roussel, ou on pense aussi pour d'autres raisons à Claude Simon, peut-être à cause de la table près d'une fenêtre. Ce qui était frappant dans cette première phrase, c'est d'emblée son côté référentiel, enfin par rapport à toute la littérature, et pas seulement toute une littérature. Vous vous souvenez vous-même de cette première phrase, du moment où vous l'avez tracée? Est-ce que je me souviens du moment? Je ne pourrais pas dire exactement. Ce que je peux dire, c'est que je suis assez content que ce soit en effet la première phrase. Vous savez, quand on commence une œuvre, on ne sait jamais très bien quelle direction elle peut prendre. Et celle-là m'allait très bien. Voilà une chose, alors que j'assume pleinement, je suis très content que ce soit celle-là. Et encore aujourd'hui, enfin, si j'ose dire, tout est là, tous les thèmes sont là, les figures, les mots même. Il y a un élément que vous ne pouviez pas mentionner. Si je ne me trompe, il y a des guillemets, n'est-ce pas? Absolument. Et il y a après les guillemets à tirer, ce qui est aussi une flèche, du coup. Et ça aussi, c'est très important pour moi. Et une flèche qui, donc, nécessairement, va vers l'amont, vers quelque chose d'antérieur, d'où le côté référentiel auquel vous faisiez allusion, mais qui est en même temps un côté référentiel assez flou, parce qu'on y voit les références qu'on veut, enfin, la phrase malgré tout est... C'est presque à la limite une phrase qui fait référence à la référence. C'est ça, on peut dire ça. Oui, je crois. Mais elle n'est pas en elle-même une citation. Ah non, 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 pas du tout. Après ce livre, vous dites de nombreux passages de ce livre, en représentant près d'un quart probablement, sont empruntés, et vous citez l'ensemble des auteurs auxquels vous avez emprunté, et vous dites le reste est constitué pour la moitié au moins de citations tirées d'écrits antérieurs de l'auteur. Et je dis ça parce qu'on est exactement dans la même problématique que cette première phrase, c'est-à-dire vous faites un livre qui n'est que intertextuel, si vous avez un texte qui ne serait que intertextuel, qui n'est que citation de vous-même, etc. Peut-être que je ne suis moi-même qu'intertextuel. Quand je fais allusion à des textes antérieurs de l'auteur, c'est quelque chose, à vrai dire, d'assez flou. C'est parce que je n'ai pas du tout eu de fond de tiroir, comme on dit. M'a été épargné l'expérience douloureuse des premiers manuscrits refusés. Non, c'est pas ça. C'est une question que je me posais. Est-ce que c'est une coquetterie, les écrits antérieurs de l'auteur, une coquetterie littéraire, justement, ou est-ce que réellement. Je ne dirais pas que c'est une coquetterie. Mais en même temps, il ne s'agit pas de textes constitués de manuscrits dormants dans des bureaux, pas du tout. Il s'agit d'un sentiment que la phrase a toujours en moi-même un passé, qu'elle n'est jamais tout à fait de moi, ce qui est un rapport à la phrase et tout simplement au sens qui peut-être m'est particulier et qui est peut-être même névrotique dans une certaine mesure. Mais je n'ai jamais l'impression que les phrases... et les idées m'appartiennent tout à fait. J'ai l'impression qu'elles ont un passé qui peut être un passé en moi. Elles n'appartiennent pas tout à fait au jeu présent. Le jeu lui-même a un rapport assez flou avec le jeu qui vous parle pour l'instant. Le passage intervient comme un tissu de citation dans une conjoncture de la littérature française bien précise et en référence à des travaux bien précis qui sont ceux à l'époque de Jean Ricardou. Et donc la question c'était au fond, est-ce que c'est la lecture de Ricardou qui vous amène à ça ou est-ce qu'au fond c'est plus ancien? C'est plus ancien, certainement. La lecture de Ricardou a eu sur moi une influence considérable, mais plutôt d'ordre technique. Mais en soi, elle n'aurait pas pu susciter des livres. Il y a eu en fait une sorte de divorce, n'est pas le mot, de rapprochement. Abusif et un peu conflictuel d'emblée entre un terreau littéraire ou si l'on veut un tempérament au fond tout à fait conservateur, je m'en rends compte de plus en plus, et même conservatoire, je tiens beaucoup à cette idée, au rôle conservatoire de l'écriture, de la littérature pour moi, de la phrase même, et
une modernité théorique qui était un peu plaquée, qui s'est trouvée me passionner et qui était, je crois, tout à fait contraire à mon tempérament, à ce que je voulais faire profondément. Mais elle a eu un rôle essentiel. Sans elle, je n'aurais probablement pas pu écrire non plus. Mais il a fallu cette opposition entre deux éléments tout à fait contradictoires. J'étais au fond l'être ou le jeune écrivain le moins fait pour lire et pour aimer Ricardo. Le conservatisme aurait dû plutôt vous pousser vers Philippe Sellers, par exemple, à ce moment-là, en 75, qui était dans l'entreprise de Paradis, dans des choses qui, justement, voulaient reprendre, à l'intérieur d'une modernité extrême, voulaient reprendre certaines lignes d'héritage. Dante, par exemple. Philippe Sellers théorisait moins expressément l'écriture en général. Ricardo a vraiment posé des principes d'écriture que je n'allais pas adopter en tant que tel absolument, mais qui entraînaient une réflexion qui était pour moi sans doute plus génératrice, pour prendre justement le terme ricardolien. Quand est-ce que vous avez lu ces textes? Écoutez, c'est difficile à dire. Je crois que je lisais, alors justement, les écrivains de tel quel et la revue telle quelle quand j'étais tout à fait jeune homme. Enfin, quand je suis arrivé à l'âge adulte intellectuel, évidemment, tel quel occupait pratiquement tout le terrain. On peut rappeler que vous êtes né en 1946. Je suis né en 46, donc je commençais à lire ce genre de choses, je ne sais pas, vers 62, 63, 17 ou 18 ans. Et alors là, tel quel était vraiment inévitable et d'une fécondité absolument prodigieuse. J'ai dû ne lire Ricardo qu'un peu plus tard. Quand je suis venu à Paris, la modernité en tant que telle m'est tombée dessus de façon extrêmement massive, pas seulement dans le domaine littéraire, mais tout se tient. Enfin, j'ai en même temps découvert les musées, l'art contemporain, mettons à 20 ans peut-être. Mais j'ai essayé d'utiliser mon intérêt pour tel quel dans mes études universitaires. J'ai même fait Sciences Po. Tous vos livres, je lis toujours Renaud Camus, Sciences Politiques, études de sciences politiques. Je ne sais pas trop pourquoi, en effet, mais oui, enfin, j'ai été à Sciences Po et puis j'ai fait les études de sciences politiques en droit parce qu'il y avait à cette époque, il y a sans doute encore un diplôme d'études supérieures dans la faculté de droit pour être docteur en droit et qui s'appelait sciences politiques au singulier, je crois. Et là, j'ai dû faire, si je ne me trompe, j'ai fait une maîtrise, je ne sais plus exactement pourquoi, mais je crois que c'était pour ce diplôme d'études supérieures de sciences politiques, sur tel quel, l'idéologie telle quelle, je crois, ça s'appelle. Mmh. J'étais étudiant en Angleterre en 1965-66 et j'ai été pris vraiment d'une folle passion pour Virginia Woolf qui ensuite s'est un peu estompée. Enfin, je ne pensais plus tant à Virginia Woolf et puis dernièrement ça m'a repris journal, et au fond je reste tout à fait fidèle au goût que j'ai pour Virginia Woolf. C'est ce que j'aime entre guillemets, naturellement, au fond, Virginia Woolf. C'est là que j'en étais quand j'avais 20 ans. Voilà, c'est là-dessus qu'intervenait Ricardo, au fond, pour préciser un peu les choses. Ricardo venait se plaquer sur un amateur passionné de Virginia Woolf. Alors que, évidemment, ce que les modernes plaçaient plus haut que tout, c'était bien entendu Joyce, par exemple. Et je n'ai pas un rapport très profond à Joyce. J'ai la plus grande admiration pour lui. Je le reconnais, évidemment, pour le géant qu'il est. Mais c'est un rapport un peu extérieur. Et pour utiliser une première fois cette expression tout à fait vulgaire, mais qui est tellement commode, au fond, Joyce n'est pas mon genre. Pourquoi Virginia Woolf était-elle mon genre? C'est une question à laquelle vraiment je ne peux pas me répondre. Pourquoi les êtres, les musiques, les peintres sont-ils votre genre? Il y a un rapport profond qui doit tenir au sujet ou disons au référent pour être un peu plus ricardolien. Toutes les images de Virginia Woolf flattent mon imaginaire, complaisent au songe, au rêve, à ce à quoi j'aime penser. Mais allez savoir pourquoi. La campagne anglaise, l'Écosse que j'adorais déjà à cette époque-là, la Cornouaille. Ce sont des pays que vous connaissez? C'était des pays que je connaissais, oui. Non, que je connaissais et que j'aimais, oui. J'ai même écrit
longue histoire de l'Écosse, où là aussi l'Écosse avait une importance beaucoup plus grande que celle que le sort malheureux lui a réservée. Le prince Bonnie Prince Charles et Charles-Édouard, le jeune prétendant, réussissaient tout à fait dans ses tentatives de reconquérir l'Écosse pour l'histoire. Et Roland Barthes, vous le connaissiez à l'époque? Je dis ça parce que je rappelle que Roland Barthes a tout de suite soutenu très très fortement Passage, puisqu'il a fait sur cette même antenne un entretien avec vous où Oui. il saluait Passage à la fois comme un texte moderne et un texte de plaisir. C'était le moment où lui-même venait d'écrire ou s'apprêtait à publier, je ne sais plus, Le plaisir du texte. Comment la conjonction s'est-elle faite? Je connaissais Barthes Vous aviez été son depuis. étudiant Non, je n'avais pas été son étudiant à l'époque. Non, je ne crois pas. Non, je n'avais pas été son. Non, j'ai jamais été son étudiant. J'ai assisté, mais c'est beaucoup plus tard au cours du Collège de France. Mais je n'avais pas été son étudiant. Non, j'étais un ardent lecteur et j'avais dû le rencontrer à peu près un an avant la publication de Passage. Juste parce qu'à l'époque, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que Barthes soutenait plutôt des textes qui étaient dans la ligne de Solers, d'abord Solers Oui, lui-même, ou oui. des textes qui étaient plus dans le genre de Solers, de Guyotat, de textes qui bousculent plus l'intérieur de la phrase, alors que vous restez finalement plus dans la ligne du nouveau roman à ce moment-là, et vous vous intéressez à la subversion du récit, mais pas tellement à celle du langage. Écoutez, est-ce que Barthes aurait soutenu très ardemment Passage si nous n'avions pas été amis? Moi, je n'en sais absolument rien. Je ne peux pas le dire. Je suis en train de scier la broche à laquelle je suis assis, mais je voudrais, en toute franchise, je n'en sais rien. En effet, il a été très gentil au moment de la publication de ce livre. Il a accepté parce que quelqu'un à France Culture lui a demandé de faire avec moi cette émission où il a parlé de façon tout à fait chaleureuse et amicale, je pense que c'est le cas de le dire, de ce livre. Est-ce qu'il en aurait fait un très grand cas si nous ne nous étions pas connus? Franchement, j'en sais rien. Aujourd'hui, votre œuvre apparaît essentiellement constituée de plusieurs séries. Enfin, il y a la série des églogues qui est Tout à en fait, cours, oui. il Maintenant, y a la c'est très série délibéré. des chroniques autobiographiques, il y a la série des romans, en tout cas de deux romans au sens, je dirais, commun du terme. Il y a la série des élégies, 5 volumes. Il y a la série des miscellanées, 5 volumes aussi parus. Comment se fait le passage, justement, entre passage et la suite? Pour le dire autrement, comment c'est le passage, par exemple, entre passage et échange? Ce qui, alors là, m'amène à vous poser une autre question. C'est ce qui se passe d'abord entre passage et échange, votre second livre, c'est la création d'un double, d'un hétéronyme qui est Denis Duparc. Passage écrit Denis Duparc, en effet. Et Denis Duparc, à son tour, écrira Échange. Mais quand Passage élaborait Denis Duparc, et alors là, j'ai recours à une terminologie tout à fait d'époque, éminemment ricardolienne, mais assez juste, en effet, le texte, là, le roman, le livre, Passage, les phrases, en effet, créer Denis Duparc, ce n'est pas vraiment moi Vous n'allez pas qui me faire le suis coup du livré à cette romancier écriture. traditionnel qui est le personnage m'a échappé, j'y peux rien. D'abord, je vois très bien ce que veulent dire les gens quand ils disent ça, les écrivains quand ils disent ça. Il est un peu démodé de s'en moquer maintenant. Tous ces vieux mythes dont on s'est tellement moqué, au fond, on voit bien quelle est la réalité. Par exemple, l'inspiration, peu importe comment on appelle ça, mais enfin, on en reviendra toujours à ça. Et je ne vois pas qu'on puisse évacuer tout à fait, sinon le mot, du moins le concept, qui reste à analyser, évidemment. À l'époque, vous ne connaissez pas du tout l'œuvre de Fernando Pessoa, qui prendra une grande place dans vos livres par la suite, sous diverses formes. Grand créateur Je ne connaissais pas son œuvre, mais je d'hétéronymes. crois que je connaissais sa personne. J'ai eu grand mal toujours à connaître son œuvre, étant donné ma totale ignorance de la langue portugaise. Et il n'a été traduit, après tout, qu'assez récemment. Il y a quelque chose qui est tout à fait surprenant. Ça n'est pas seulement la création des hétéronymes au moment d'échange, c'est-à-dire la création de Denis Duparc. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont surprenantes. C'est peut-être le fait d'abord d'avouer les hétéronymes, de dire au fond ce que Pessoa, par exemple, n'a jamais fait, de dire Denis Duparc, c'est moi. Mais moi, je n'ai jamais rien dit de pareil. On sait toujours, plus ou moins, que vous êtes le même scripteur, vous êtes le scripteur de tous ces textes. Ne serait-ce que parce que les listes du même auteur rangent des choses sous votre nom.
Encore une fois, là, il s'agit de votre opinion à vous qui témoigne Ah, j'ai de la souhaité pertinence. fendre l'air, votre dernier livre paru, et je vois du même auteur, Renaud Camus passage, Denis du Barc échange, Renaud Camus et Denis du Barc travers, Jean Renaud Camus et Denis du Verre été, etc., etc. Vous attirez mon attention sur un détail qui m'avait totalement échappé. J'avais veillé longtemps à ce qu'en effet, ce ne soit pas dans la rubrique du même auteur. Mais oui, parce que je participe à chacun presque au volume, à l'entreprise des églogues. Donc les églogues sont en effet rangés un peu abusivement, oui, vous avez raison de me le signaler, un Non, peu je pense abusivement qu'il faudra y. dans la catégorie du même auteur. Mais c'est parce que on peut ranger dans du même auteur des livres qui sont des ouvrages de collaboration. Encore une fois, c'est votre opinion à vous qui témoigne de la pertinence ou du défaut de pertinence selon de votre lecture, mais je reçois très souvent du courrier que je suis chargé de transmettre à Denis Duparc. J'ai participé à des débats où on s'étonnait que Duparc ne soit pas là, et en toute bonne foi, je vous assure, non, non, il y a beaucoup de gens qui sont. Je m'excuse de vous poser une question avant de continuer ces entretiens. Qui êtes-vous? Vous êtes Renaud Camus ou êtes-vous Denis du Parc? Ou Ah, peut-être Jean Renaud Camus? je ne suis À absolument moins que je n'aie pas, affaire à Denis du je ne suis Verre. absolument pas Denis Non, ces Duparc, je ne entretiens suis sont pas bien Denis Duverre. des conversations avec Renaud Et quant à Camus. savoir si je suis bien Renaud Camus, en effet, là, il y a vraiment, en effet, un problème. J'en suis, pour ma part, que très peu convaincu. Une autre surprise concernant ces hétéronymes qui interviennent très tôt, c'est probablement le choix même des noms. Pourquoi Duparc, Duverre? Et je pose aussi surtout la question, enfin sans compter le choix des prénoms, bien sûr, Denis, Tony. C'est-à-dire pourquoi toujours ces noms de deux syllabes et toujours ces noms très très communs, aussi communs d'ailleurs que Camus. Et pourquoi ce nom parmi eux d'un écrivain, comme l'est aussi Renaud Camus, puisque je rappelle aux auditeurs qu'il y a eu un écrivain qui s'est appelé Albert Camus, le choix d'un autre écrivain qui est donc un écrivain réel, qui s'appelle Denis Duverre, et donc vous reprenez Denis Duverre. Alors pourquoi ces choix-là, de ces patronymes-là? Vous savez, tout. Et non pas, je le dis d'autant plus que votre œuvre est totalement parcourue par une passion des noms les plus inhabituels, en tout cas dans la langue française, de noms venus d'Europe centrale, par exemple. Et là, vous prenez les noms les plus communs. Les églogues, elles sont parcourues par une passion anagrammatique. L'anagramme est profondément créateur. Par exemple, je ne sais pas comment nous sommes arrivés au nom de Renaud Camus, mais il y a là-dedans un tas d'anagrammes qui ont donné ce résultat et qui, à partir de ces noms-là, ont créé d'autres choses. Mais tout est très profondément anagrammatique. Enfin, comme vous le faisiez remarquer, évidemment, mon propre patronyme, si j'ose dire, mais c'est vraiment une contradiction dans les termes, était d'emblée, quand je Ah commençais à oui. écrire, le nom de quelqu'un d'autre. On m'a souvent dit, mais ce n'est peut-être pas très commode pour un écrivain de porter déjà le nom d'un autre écrivain, mais c'était tout à fait essentiel. Peut-être que c'était un traumatisme, mais puisque nous en étions arrivés à ce nom-là, il était essentiel pour moi qu'il fût le nom de quelqu'un d'autre. Denis Duparc, c'est un anagramme parmi des centaines, mais Denis est évidemment l'anagramme de Inde. Et quant à Duparc, lui-même a écrit un livre qui pose comme fondateur le parc, dont la première Philippe phrase, Sollier associé écrit un si livre qui j'ai s'appelle Le bien Parc. entendu, donc déjà c'était le titre. Son nom était le titre d'un livre plutôt que le nom d'un écrivain, mais la première phrase de son livre à lui échange, et il y eut d'abord le parc. Donc il sort de son parc. Ces livres sont organisés évidemment autour d'un système de couleurs, et Passage par exemple est tout entier construit de façon chromatique autour du jeu du blanc et du vert. Il fait de nombreuses références à des gens qui s'appellent le Blanc, ne serait-ce que Charles Blanc, passionnant théoricien du 19e siècle. Du Verre était presque inévitable, étant donné le rôle du Verre dans la création chromatique des églogues, et présentait sans doute l'avantage à quoi j'étais sensible d'être, comme Camus, le nom d'un écrivain important ou intéressant du moment.
important ou intéressant, enfin reste que vous ne semblez pas, si je me fie à d'autres textes de vous, avoir une passion pour son œuvre, et lui-même ne semble pas d'ailleurs avoir eu une folle passion pour le fait que vous ayez repris son patronyme, et bon. Il a réagi beaucoup plus vigoureusement que n'a fait la famille Camus au fait que j'utilise le nom Camus. Mais tout ça, alors là, tout à fait anecdotique et en ce qui me concerne, accidentel. Non, j'étais arrivé à Duvers, ce Denis Duvers était arrivé à collaborer aux églogues de la façon que j'ai tenté de d'élucider pour vous de façon très approximative. Encore une fois, que son nom appartient à notre écrivain a été tout à fait bienvenu. Y aura-t-il d'autres églogues à partir du troisième volume qui s'appelle Travers et dans le quatrième volume qui s'appelle Été? On est passé du système des citations et de l'intertextualité exposée à un texte qui s'étage de plus en plus dans un certain nombre de niveaux différents d'intervention de son auteur ou de ses auteurs, avec des notes et des notes aux notes et des notes aux notes aux notes aux notes. Et j'ai un peu le sentiment que ces églogues ont fonctionné à ce moment-là comme une sorte de laboratoire de l'ensemble des séries que je rappelais tout à l'heure. Vous parliez des notes, et il y a en effet un nombre de notes considérable dans le dernier volume des églogues, et on pourrait sans doute estimer que les autres livres sont des notes qui ont pris des dimensions absolument épouvantables, et qu'il a été nécessaire de publier à part. Vous savez, je classe les différents livres de façon apparemment très ordonnée, mais je suis bien conscient qu'on pourrait procéder à des classifications tout à fait autres. D'ailleurs, suivant les pages du même auteur qui sont en tête de vos livres, les classifications se modifient. Oui, elles On peuvent voit très être bien, on modifiées pourrait suivre à plusieurs. l'évolution du projet à partir Plusieurs sont possibles. de ces modifications. Il y a des livres qui ont sauté d'une case à l'autre. Je n'en étais pas tout à fait conscient, mais c'est très bien, c'est très bien. Oui, tant mieux. Depuis le début des années 80, justement, vous publiez un journal qui, au départ, a été le enfin, il y a eu le journal du voyage en France, il y a eu le journal romain, et au fond, à partir du journal romain, qui est celui d'un séjour que vous avez fait à la Villa Médicis, à partir de là, une sorte de systématisme se constitue. Vous publiez désormais chaque année le Oui. journal de l'année écoulée 2 ans auparavant, et on peut se demander si tendanciellement le journal n'est pas en train justement d'absorber l'ensemble du matériau comme le faisaient les églogues au départ. Enfin, vous parlez à un certain moment dans le journal du fait qu'il pourrait tout englober et c'est vrai, d'autant plus que le journal est tenté par un projet de journal total, au fond qui d'ailleurs finirait par n'être plus que votre unique occupation. Vous pourriez, je veux dire, ne faire plus. Je Enfin, vais faire d'autres un peu comme chez choses. Borges, quand la carte finit par recouvrir le territoire, on a un peu le sentiment que c'est ça le projet du journal chez vous, que le C'est journal, ce qui me lasse en tout vous cas. n'écrivez. Souvent, on a déjà le sentiment que vous ne vivez plus que pour pouvoir écrire ce que vous avez vécu, mais tendanciellement, d'une certaine façon, la vie sera totalement absorbée par l'écriture de ce journal. J'ai envisagé en effet un journal tout englobant, c'est-à-dire où la forme serait beaucoup plus contraignante qu'elle n'est dans le journal, alors que dans le journal est vraiment un vrai journal au sens le plus traditionnel, c'est-à-dire que la forme littéraire, ce qu'on appelait le travail scriptural, mettons, n'est pas extrêmement prégnant, c'est vraiment une écriture de journal, a prima, comme disent les pâtres. Donc j'avais envisagé, mais pour l'écarter immédiatement, la possibilité d'un journal qui serait soumis à des formes littéraires très fortes. Mais au fond, c'est la vie elle-même qui est soumise à des contraintes littéraires très fortes. Moi, c'est le rapport à la biographie, quelque chose qui me passionne, mais dans la mesure où on l'inverse, c'est-à-dire ce que j'ai été tenté d'appeler de façon un peu ambiguë la graphobie, c'est-à-dire non pas certes la graphophobie, moi je suis plutôt graphomaniaque que graphophobique, mais la graphobie, c'est-à-dire une vie écrite, c'est-à-dire que l'existence même serait prise entièrement dans des réseaux essentiellement littéraires, au sens le plus strict, le plus étroit, scriptural, textuel, si on veut. Dans cette mesure, le journal est évidemment un premier temps de l'emprise de la littérature, du travail littéraire sur la vie, y
compris de la manière la plus explicite, la plus tangible, puisqu'en effet, le journalier ou le diariste fou a tendance à ne faire plus qu'écrire son journal, ce qui menace dans mon cas, c'est-à-dire on écrit presque en permanence, mais c'est une première forme un peu grossière de ce à quoi je fais allusion, l'influence de l'écriture, de la textualité sur la vie étant beaucoup plus déterminante quant aux formes même de l'existence, c'est-à-dire ces formes littéraires décideraient de vos choix existentiels, tout simplement des lieux de votre existence, des voyages, des préférences parmi les amis, les relations ou les curiosités intellectuelles. Voilà l'utopie ou la fiction qui m'obsède. Quand je dis que je suis passionné par la biographie, et que j'opère même un retour presque au culte biographique totalement écarté, bien entendu, par la défunte modernité, c'est en ce sens-là, non pas comme explication de texte, mais au contraire comme création textuelle. Encore une fois, je reviens sur cette espèce de départ qui est, je crois, essentiel dans ce qui m'a poussé à écrire, de la forme plaquée sur du vivant ou du moderne plaqué sur du conservatoire ou du conservateur en tout cas. Ce qui me vient naturellement, c'est les formes littéraires les plus expressives, les plus sentimentales, c'est pour ça que j'avais besoin de la forme et d'une contrainte moderne, et Ricardo était vraiment parfait dans ce domaine-là parce qu'il était contraignant au dernier degré, parce que moi-même, si je m'étais laissé aller à ce qui me venait naturellement, j'aurais été l'écrivain le plus sentimental qui soit, c'est-à-dire écrivant au mieux une sorte de sous Virginia Woolf plongé dans la saudade portugaise, extrêmement nostalgique sur les maisons, sur les êtres, sur les amours de jeunesse, sur les pays qu'on regrette ou qu'on ne connaît pas. C'est de ça que je viens et c'est cela que je suis. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Renaud Camus s'entretenait avec Jean-Pierre Salgas. Réalisation Nicole Salerne. Demain, deuxième entretien. Vous écoutez France Culture. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Renaud Camus s'entretient avec Jean-Pierre Salgas. Deuxième entretien. J'aimerais que nous en venions aujourd'hui à cette science que vous avez d'une certaine façon inventée, développée, enfin à partir de Buena Vista Park en 1980, et qui d'une certaine façon est à la fois l'axe de l'ensemble de tous vos livres qui s'appellent Miscellanée, et peut-être aussi l'axe même ou l'un des grands fondements qu'on retrouve dans toute votre œuvre. Cette science, vous l'appelez la batmologie, et je dirais d'une certaine façon, on pourrait presque l'appeler, sans jeu de mots, c'est-à-dire avec jeu de mots, la bartmologie, puisque vous la reprenez à Roland Barthes, qui la définissait en quelques lignes de Barthes par Barthes. Alors, j'aimerais que vous définissiez la batmologie. Comme vous le précisiez vous-même, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, il faut tout à fait rendre à Barthes la paternité de cette science, mais lui l'a inventé comme en se jouant, je crois qu'il n'y attachait pas une très grande importance, c'était peut-être dans son esprit une plaisanterie, d'ailleurs il importe de lui garder, entre autres choses, ce caractère un peu ludique. C'était la définition la plus simple, c'est la science des degrés,
ça vient du grec batmos, qui doit vouloir dire degré ou niveau. Et dans mon esprit, c'est la science essentiellement des niveaux de discours. D'ailleurs, ce livre qui s'appelle Buena Vista Park devait s'appeler initialement Fragments de bathmologie quotidienne. Et d'ailleurs, Barthes m'avait tout à fait dissuadé de l'intituler de la sorte, ce qui était en effet assez menaçant. L'inconvénient était que Buena Vista Park n'est pas très éclairant sur le contenu du livre. Pour expliquer la bathmologie dans Buena Vista Park, vous prenez un exemple assez longuement développé qui est celui du bandeau du maréchal Ney. Alors vous pourriez nous rappeler ce bandeau du maréchal Ney? Oui, le concept essentiel de la bathmologie, c'est l'observation que sur la plupart des questions dont on peut débattre, il n'y a que deux positions possibles, mais qu'elles recouvrent des réalités tout à fait différentes, que la même position peut être beaucoup plus contradictoire par rapport à elle-même, selon le niveau où se situe celui qui l'adopte ou celui qui l'émet, beaucoup plus contradictoire que par rapport à ce qui est superficiellement son contraire. Alors, évidemment, les exemples sont innombrables, mais celui peut-être que j'ai le plus développé, à titre d'exemple, en partie ludique, encore une fois, est celui du bandeau du maréchal Ney, enfin du bandeau du condamné à mort en général, mais l'exemple le plus connu est celui du maréchal Ney. Un condamné à mort doit être fusillé, on lui propose un bandeau, la première position, il accepte le bandeau puisqu'on lui propose sans y réfléchir. Deuxième position, qui est celle du maréchal Ney, il refuse le bandeau parce qu'il pense qu'un héros doit mourir en regardant la mort en face. Troisième position, il prend le bandeau parce que vraiment la deuxième position, celle illustrée en partie par le maréchal Ney mais par un tas d'autres protagonistes de notre histoire, lui paraît tout de même d'un héroïsme un peu exagérément ritualisé, enfin c'est tellement... Il est tellement convenu qu'on refuse le bandeau. Enfin, à chaque fois qu'on est exécuté, nous tous, nous avons toujours refusé le bandeau. Ça va presque sans dire. Donc, il prend le bandeau dans la troisième position possible. Donc, elle est semblable à la première, mais ses raisons sont tout à fait différentes. En quatrième position, le condamné à mort refuse le bandeau, bien qu'il soit tout à fait d'accord avec la position 3, parce que, tout simplement parce que ça l'intéresse de voir ce qui se passe. Donc, il est dans la même position que celle du maréchal Ney, mais pour des raisons tout à fait différentes, et bien qu'il soit conscient que c'est un peu stéréotypé comme forme d'héroïsme. Et puis on peut continuer comme ça indéfiniment jusqu'à, je crois, j'arrivais jusqu'à la position 12 ou 13, à partir de cette simple opposition, accepter le bandeau ou le refuser. Et puis on ne peut sortir de ce débat que par un coup d'État qui ferait passer à ce que je me suis risqué à appeler la métabatmologie, c'est-à-dire refuser absolument, en fait discuter de la possibilité de tomber ou non dans la batmologie, c'est-à-dire voir la batmologie de plus ou considérer la batmologie elle-même comme un discours après tout qui pourrait être rituel ou conventionnel et en sortir par un coup d'État. Mais un exemple plus simple qui admet moins de degrés, je crois que c'est le premier que je cite dans Buena Vista Park, ce qui est un des plus élémentaires, c'est par exemple le monsieur qu'on adresse aux médecins d'une certaine importance dans leur profession, mettons les professeurs de faculté ou les médecins qui ont un rôle particulièrement essentiel dans un hôpital. On les appelle monsieur. Or, monsieur est l'appellation la plus courante en français quand on s'adresse à quelqu'un, enfin à partir d'un certain niveau de non-intimité. Et puis, si un homme fait des études de médecine, on l'appelle docteur. Mais s'il est un docteur particulièrement important, on revient à un monsieur qui est tout à fait le même, tout à fait un autre. Au fond, c'est Verlaine qui a donné la meilleure définition de la bathmologie. Tout à fait le même, tout à fait un autre. C'est-à-dire exactement la même chose, en l'occurrence le même mot, mais monsieur devient un titre. Mais vous parliez à l'instant de la métabatmologie qui n'est jamais qu'une bathmologie bathmologique. Enfin bon, c'est-à-dire on pourrait imaginer une méta-méta-bathmologie. Bien entendu, c'est par définition interminable. D'un autre côté, vous parlez dans le même texte d'une bathmologie spontanée. Vous, d'une certaine façon, vous décrivez les sociétés françaises dans les années 80 comme étant tout le temps dans le deuxième degré.
et donc fonctionnant bathmologiquement. Oui, le deuxième degré étant au fond le niveau maréchal-ney de l'affaire du bandeau. C'est-à-dire nous sommes tous en effet dans le deuxième degré. Enfin, tout l'humour, toute la publicité, la plupart des choses même que nous disons les uns les autres sont dans le deuxième degré, qui est devenu quelque chose d'absolument rituel. Enfin, la culture petite bourgeoise type d'aujourd'hui, c'est-à-dire la culture dans laquelle nous sommes tous plongés, est une culture de deuxième degré. On ne peut sortir de ça qu'en se plongeant dans le jeu bathmologique, quitte à procéder finalement à un coup d'État pour s'en sortir, parce que je crois vraiment que c'est une impasse. Par exemple, en littérature, le deuxième degré, sans donner des résultats extrêmement fâcheux. Enfin, des romans qui ne sont pas exactement ce qu'ils prétendent être, mais dont on doit bien comprendre qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Je suis maintenant persuadé pour ma part que c'est une impasse, bien que j'ai commis moi-même quand vous publiez en 1983 et 1987 des livres comme Roman Roi et Roman Furieux, qui se présentent d'une certaine façon comme des romans historiques traditionnels racontant l'histoire d'un roi, d'un royaume qui s'appelle Roman II ou Roman II, qui est le roi d'un pays imaginaire d'Europe centrale qui s'appelle la Caronie, etc., etc., et que vous racontez des choses un peu sur un ton qui est celui de point de vue image du monde. Nous sommes en plein deuxième degré, ou nous sommes en plein coup d'État bathmologique, enfin, où nous en sommes, Bien en deçà du coup d'État bathmologique. Dans la façon dont le livre se présente lui-même, en effet, comme un roman historique tout à fait traditionnel, et même pire que traditionnel, c'est-à-dire... Il serait un peu exagéré de dire un pseudo-roman de gare, mais enfin c'est un roman tout à fait sentimental, sensationnel, avec des histoires d'amour, des drames dans un pays qui est, par bien des aspects, un pays d'opérette. Comment le texte se sortit lui-même de ce que je percevais déjà comme une impasse, le deuxième degré, c'est ce qu'il est lui-même qui le lui permet, ne lui permet pas. Difficilement, je suis mal placé pour en juger, mais c'est son écriture même qui le fait échapper à un deuxième degré rigoureux, parce que le deuxième degré est lui-même deuxième degréisé, si je puis avoir recours à cet horrible mot. Non, je vous pose la question parce que finalement, Roman Roi paraît en 1983. Or, 1983 en plus, c'est probablement avec toutes les ambiguïtés politiques, même du terme, enfin, l'un des grands moments, je dirais, de restauration esthétique en France après la fin des avant-gardes, c'est-à-dire d'une certaine façon de retour à quelque chose qui était le premier degré d'avant la modernité. Et néanmoins, Roman Roi ne me semble absolument pas appartenir justement au retour à ce premier degré, tout en flirtant en un certain sens avec cette restauration. Justement, d'ailleurs, bon, et Roman Roi, de par sa royauté même, flirte avec l'idée d'une restauration. Donc, c'est-à-dire, au fond, comment, selon vous, faut-il lire cette suite, Roman Roi, Roman Furieux, par rapport à l'état qui est celui de la littérature à ce moment-là, justement, revenant à un premier degré esthétique massivement, enfin dans ces années-là, mais plus particulièrement probablement, je dirais à ce moment-là, puisque 1983, ça me frappait ces derniers jours, hein, et la date de Femme de Philippe Solers qui a marqué, enfin qui peut emblématiser un certain changement esthétique dans la situation littéraire française. Je pense que le côté parodique par rapport à ce mouvement de restauration dont vous parliez à l'instant, restauration littéraire, et très rapidement évident. Enfin, je ne me rattache en aucune façon pour ma part à cette tendance-là, qui me semble d'ailleurs une restauration tout à fait illusoire. Cela dit, probablement toutes les restaurations sont-elles toujours et par définition illusoires. Mais là, la restauration a le caractère moins convaincant que jamais, parce que ce qui est restauré, ce n'est... Enfin, jusqu'à présent, d'après les exemples que nous connaissons, pas précisément la grande et haute littérature ancienne. Je crois que Roman Roi et la suite Roman Furieux parodie et critique, je l'espère, ce mouvement, parce que malgré tout, ce sont toujours des livres qui font l'objet d'un travail
ironique, cette fois, sur la forme. Par exemple, ils sont toujours placés sous l'instance extrêmement active de l'anagramme. Je crois que la langue caronienne, la langue du pays, qui intrigue extrêmement les linguistes depuis toujours, parce qu'elle est très difficile à situer par rapport aux autres langues européennes, c'est une langue très isolée, un peu comme la langue magyare ou la langue finnoise, mais qui n'est pas parente de ces langues-là. Et une des thèses que je trouve les plus intéressantes et probablement les plus justes, quoi qu'elle paraisse extraordinaire, mais je pense que c'est assez pertinent, une des thèses est que la langue caronienne est d'essence anagrammatique, c'est-à-dire que sa formation est construite sur l'anagramme. En exclusivité pour France Culture, vous pourriez nous dire quelques mots en caronien? Non, je ne parle absolument pas caronien. Je connais très mal la Caronie, qui était un pays très difficile d'accès. Non, je ne parle pas un mot de caronien. J'ai eu une passion pour Pessoa sans connaître du tout le portugais. Et j'ai été passionné également par l'histoire de la Caronie sans connaître un mot de caronien. Hier, vous parliez de Virginia Woolf. Est-ce que, par exemple, vous verriez en Virginia Woolf un écrivain batmologue? Pas précisément, non, je suis même un peu surpris par le rapprochement. Moi, j'aime Virginia Woolf parce que c'est un écrivain, à mon sens et à mon goût, extrêmement lyrique. Et au fond, mon goût littéraire va vers le lyrisme. Mais le lyrisme, pour nous, aujourd'hui, est dans une certaine mesure barré. Enfin, c'est le sentiment que j'ai personnellement. Le lyrisme, c'est l'interdit majeur. De sorte que le lyrisme ne m'est autorisé que dans la mesure où il transcende un interdit, où il suinte de quelque chose qui serait son contraire. Par exemple, pour prendre un cas extrême, le lyrisme éventuel de la théorie. Mmh. Il y a dans la théorie quelquefois un lyrisme merveilleux. Virginia Woolf, comme elle est, et elle pouvait l'être encore de son ton, assez sereinement lyrique, ne me semble pas très batmologique, encore que certainement on pourrait trouver des traits batmologiques dans son œuvre. Le premier nom qui vient à l'esprit est sans doute celui de Flaubert. Bien sûr, Bouvard et Pécuchet me semble éminemment batmologique, mais peut-être que l'ancêtre, le fondateur, sans le savoir en tout cas, avant la lettre en tout cas et avant le mot de la batmologie, c'est Pascal, qui est un auteur alors formidablement batmologique. Il y a des textes qui paraissent même très expressément batmologiques, puisqu'on va toujours du pour au contre et du pareil au même, mais les deux pareils ne coïncident pas et les deux mêmes sont séparés par des abîmes, c'est le cas de le dire. Oui, je pense en partie, je ne sais pas ce que vous pensez à cela, le texte où il parle des demi-habiles et des habiles. Hein, et comment, la façon dont les habiles sont des gens qui pensent en apparence la même chose que le peuple, mais à un deuxième degré. Bien entendu, c'est un des exemples les plus, oui, c'est un des textes fondateurs de la batmologie. Je crois que ça doit être le texte fondateur de la batmologie. On pourrait même risquer l'idée, d'ailleurs, que la batmologie est une science auvergnate, puisque on peut dire dès maintenant que vous êtes né à Chamalières, ce dont nous reparlerons. Et donc, Pascal doit être plus ou moins originaire de quelques centaines de mètres du même endroit. Donc, il y a peut-être quelque chose de... d'auvergnat dans cette science. Cette idée. Oui. Je ne suis pas sûr de cette pertinence, parce que le côté auvergnat de Pascal m'a jamais énormément frappé. De la batmologie, vous dites quelque chose, toujours dans Buena Vista Park, que je crois très, très passionnant. Vous dites, si la batmologie a raison, ou plus simplement si elle existe, c'est toute l'esthétique philosophique d'Aristote à Kant, de Hegel à Lukács ou Adorno, qui menace de s'effondrer. Et lisant cette phrase, je pensais à une autre grande œuvre contemporaine de batmologie, en un certain sens, qui est celle de Bourdieu, à laquelle vous faites très souvent référence, d'ailleurs, dans Buena Vista Park, et la distinction. Et effectivement, j'ai le sentiment que le projet de la batmologie est assez proche, et rencontre très exactement le projet de Bourdieu, c'est-à-dire de montrer comment, finalement, par un jeu de différence, l'ensemble des positions, enfin de différence et de distinction, enfin l'ensemble des positions, des jugements, se situe dans l'espace social. C'est votre sentiment aussi ou pas? Que vous rencontrez, enfin, je parlais au début de la batmologie comme d'une science, entre guillemets, et justement, j'en parlais batmologiquement, et c'est peut-être une science qui rencontre toutes les sciences humaines tout court. Certainement, mais je crains que la rencontre ne soit assez explosive. La batmologie est vraiment une formidable bombe.
Une bombe à retardement, bien entendu, une bombe qui éclaterait en plusieurs fois, mais en effet, elle sape tout discours établi, elle sape le concept de vérité. Et alors, dans le domaine esthétique, elle est probablement particulièrement redoutable et peut-être désespérante d'ailleurs. Et le batmologue est nécessairement convaincu, comme je le suis pour ma part, qu'au fond, il n'y a pas de goût, il n'y a que des niveaux de culture. Quand les gens disent « j'aime ceci, j'aime cela », ils ne parlent guère de l'objet qu'ils envisagent, mais uniquement d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qu'a dit Bourdieu dans la distinction. Bien entendu, nous sommes, si j'ose dire, tout à fait d'accord sur ce point, d'ailleurs, comme sur beaucoup de points de l'œuvre de Bourdieu, la distinction. Ce qui me frappe justement de ce point de vue-là, c'est probablement que vous êtes souvent vous-même infidèle à cette inspiration batmologique. C'est-à-dire que très très souvent, vous exposez, je pense en particulier au journal et à tout ce que vous pouvez dire sur l'art, vous exposez vos goûts et vous les développez très très longuement. Et ça n'est qu'une fois sur deux que vous objectivez en un certain sens la production de ses propres goûts, comme vous venez de le faire à l'instant, et souvent vous les présentez avec une sorte de naïveté, enfin comme justement n'ayant aucun rapport avec le monde social qui les produit. Alors là, il y a plusieurs choses. D'abord, tout système, à partir du moment où il est pratiqué longuement, avec attention, finit, s'il est bien construit, par fonctionner tout seul. Par exemple, le travail scriptural des églogues. Pourquoi les églogues ont-elles pris de telles proportions alors que le texte était soumis à des contraintes extrêmement fortes? C'est que ces contraintes, malgré tout, à partir du moment où elles fonctionnent très longuement, se relâchent, n'est pas le mot, mais autorisent de plus en plus de choses, malgré tout. Parce que s'appliquant sur des quantités sans cesse croissantes, tout devient possible. Par exemple, il y a un système d'exclusion des mots, mais à partir d'un certain moment, de plus en plus nombreux sont les termes qui peuvent être admis, puisqu'ils cousinent avec un nombre sans cesse croissant d'autres termes. Et d'autre part, la batmologie, si on la pratique exclusivement, en effet, finit par tout admettre et son contraire, ce qui est au fond tout de même tout à fait dans son principe, y compris la bêtise, qui est au fond le vis-à-vis, mais peut-être le socle au fond, confère Bouvard et Pécuchet, de la batmologie. Donc un batmologue qui ne tiendrait pas compte de sa propre bêtise et qui n'en ferait pas état serait un batmologue tout à fait élémentaire, qui se tiendrait dans les vulgaires 7 ou 8 premiers degrés des ordres possibles de degrés. Donc un batmologue qui évacuerait sa bêtise serait absolument piètre. La forme de la bêtise peut être, quant au jugement esthétique, je me demande si, encore une fois, ce n'est pas le « mon genre, pas mon genre », c'est-à-dire le goût brutal. Malgré tout, il y a une certaine légitimité au « mon genre, pas mon genre ». Il y a quelque chose qui n'est pas réductible au niveau culturel. Par exemple, entre deux jugements esthétiques, quelqu'un qui dit « mon artiste favori au XXe siècle, c'est Schwitters », et quelqu'un qui dit « mon artiste favori au XXe siècle, c'est Dali », par exemple, il me semble qu'il n'y a pas de discussion esthétique possible, enfin, sinon celle qu'autorise la politesse, la gentillesse. Mais enfin, manifestement, les discours là sont à des niveaux culturels tellement éloignés que le goût n'est pas en cause, c'est la formation. Enfin, on pourrait prendre des cas plus extrêmes, mettons Bernard Buffet ou Schwitters, pour ne pas blesser les nombreux admirateurs de Dali. Et il n'y a pas de discussion esthétique possible, sinon tout à fait superficiellement. Mais entre quelqu'un qui dit mon artiste favori est Schwitters, c'est quelqu'un qui dit mon artiste favori est, enfin, ou le plus grand artiste, un des plus grands artistes du XXe siècle est un tel, est un Mondrian. Là, il me semble que le goût peut intervenir. Entre des amateurs de Monet ou de Manet, il peut y avoir une discussion où le goût, malgré tout, intervient. Donc le goût revient toujours tout de même à la fin et
crois qu'il est assez légitime et irréductible, ou très difficilement réductible, je veux dire explicable. On peut toujours l'expliquer de façon analytique, mais le mon genre est malgré tout une entité qui est extrêmement résistante, à laquelle je suis très attaché, parce que tout simplement je ne peux pas l'évacuer. Il y a un moment où mon genre, c'est quelque chose, non pas d'absolu, mais en tout cas de tout à fait solide. Et le mon genre, qui est un concept plutôt bêta, oppose à l'étymologie une assez vaillante résistance. C'est-à-dire, il y aurait à vous suivre deux mon genres. Il y a le mon genre de celui qui dit, ça pourrait être vous, j'aime, je suis terse, contre ceux qui aiment Dali. Et puis il y a le mon genre, ça pourrait toujours être vous, de celui qui aime, je suis terse, contre celui qui aime Mondrian. Oui, je sais que vous aimez Schuiters. Contre celui qui dit j'aime Dali, oui. Ce n'est pas du mon genre. Ça ne relève pas du goût. Enfin, entre quelqu'un pour qui le plus beau monument de Paris est le Grand Palais, et quelqu'un pour qui le plus beau monument de Paris est un hôtel de Ledoux ou les bâtiments de l'Octroi de Ledoux, par exemple, il n'y a pas mal une discussion esthétique possible, sauf si l'un aime le Grand Palais pour des raisons extrêmement sophistiquées, mais quelqu'un qui aimerait le Grand Palais au premier degré et le mettrait plus haut parmi les monuments parisiens, ce n'est pas une question de goût, ça relève d'un état culturel. On peut, à partir de deux ou trois éléments, on peut établir presque toute la personnalité culturelle de cette personne. Enfin, quelqu'un qui dit mes peintres favoris, ce sont Bosch, Van Gogh et Dali, schéma extrêmement très repérable, enfin très très, très connu. On peut établir, à la façon de Cuvier, à peu près l'ensemble de la personnalité culturelle de cette personne. Il se trouve que Bosch, Van Gogh ou Chagall ont eu le malheur, pour des raisons qui sont sans doute assez explicables, ont eu le malheur de tomber dans le statut assez fâcheux de peintre favori inévitable de gens qui n'aiment pas la peinture, enfin, ou qui s'y intéressent peu. Enfin, c'est les noms typiques des gens qui n'ont pas vraiment pour la peinture une passion très, très appuyée. C'est ceux qui viennent toujours rituellement. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas de très grands peintres. Alors, enfin, il faudra distinguer suivant les termes. Par exemple, prenons le cas de Van Gogh, peintre très aimé d'un public extrêmement large et qui n'a pas une approche esthétique peut-être très, très affinée. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est passion profonde et très éclairée pour la peinture ne placerait pas Van Gogh très haut. Ce que je disais sur le goût, enfin, était un pur problème de mots, puisque je veux dire, si on se basait sur la distinction de Bourdieu, lui emploie le terme goût là où vous ne l'employez pas. Mais je vous poserai juste une question. Où situeriez-vous un amateur de Renaud Camus dans la littérature contemporaine, d'un point de vue bêtmologique? Ben alors là, j'ai le plaisir de pouvoir répondre que l'amateur de Renaud Camus est extrêmement difficile à cerner, parce que, Dieu merci, je dois dire, dans une certaine mesure, j'y ai veillé, étant un auteur tout à fait éclaté, j'ai des lecteurs extrêmement divers, à tel point qu'un amateur global de Renaud Camus est presque inconcevable, parce que les livres que j'ai interviennent à des niveaux littéraires si différents que peut-être est-il très difficile de les aimer tous. En tout cas, ils ont trouvé des publics, d'ailleurs assez restreints dans tous les cas, mais extrêmement éloignés les uns des autres. Et souvent choqués par d'autres aspects du même travail, et même éventuellement du même livre. Par exemple, je vois très bien un tas de charmante vieille dame aux cheveux bleutés, adorée tout ce qui concerne les châteaux, le paysage français, les expositions de peinture impressionniste, par exemple, et dire quel bon jeune homme. Et j'ai ce public, enfin, je reçois des lettres charmantes de vieille dame qui me félicite pour mon bon combat en faveur des manières et mon goût de la France traditionnelle. Et ces malheureux sont quelquefois un peu choqués par d'autres aspects de mes petits ouvrages et d'autres.
les lecteurs de Trix, par exemple, ne sont pas forcément des passionnés de ces glogues. Il est assez fréquent qu'ils s'intéressent au récit en tant que tel et que le travail sur le signifiant, comme on disait dans ma jeunesse, leur soit bien indifférent ou bien tout à fait désagréable. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Renaud Camus s'entretenait avec Jean-Pierre Salgas. Réalisation Nicole Salerne. Demain, troisième entretien. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Renaud Camus s'entretient avec Jean-Pierre Salgas. Troisième entretien. Renaud Camus, il y a une véritable passion dévorante pour l'histoire et pour la géographie, enfin, qui est présente dès le départ dans votre œuvre, je dis presque au sens scolaire, l'histoire géo, c'est-à-dire l'histoire telle qu'on l'enseignait dans le passé à l'école, et la géographie, c'est-à-dire les cartes, enfin je pense à cette carte de Caroni qui fait irrésistiblement penser aux cartes de géographie qu'on avait dans les classes de notre enfance sur les murs. Passion à laquelle vous donnez libre cours à partir du journal d'un voyage en France, qui d'ailleurs fortuitement commence peu ou prou au moment de la mort de Roland Barthes, qu'on pourrait peut-être explorer cette passion en partant de la région dont vous êtes originaire, c'est-à-dire précisément l'Auvergne, et peut-être Chamalières, puisqu'au fond, avant même de consacrer une élégie récente à Chamalières, vous voyagez très très longuement dans cette région, dans le journal du Voyage en France. Je ne sais pas si la passion pour l'histoire et pour la géographie, qui est bien réelle en ce qui me concerne, se manifeste seulement à partir du journal d'un voyage en France. Je crois qu'elle est déjà très présente dans tous les premiers livres, dans Passage, dans Travers, et d'ailleurs Duparc la partage tout à fait. Je crois que dans Échange, les références à des personnages historiques, assez souvent secondaires d'ailleurs. Pourquoi l'histoire? Pourquoi la géographie certainement un attachement au passé, en tout cas, à ce qui n'est plus, une sympathie pour tout ce qui tombe, tout ce qui est veuf de pouvoir plutôt que porteur de pouvoir. Probablement j'ai peu de sympathie naturelle pour ce qui va prendre le pouvoir. J'ai beaucoup d'indulgence et de sympathie pour ce qui ne l'a plus. Je suis fasciné par le pouvoir, par ses signes. Mais par ces signes à partir du moment où ils ne sont plus que des signes. Probablement j'aurais détesté la monarchie absolue, j'aurais été extrêmement malheureux sous une monarchie absolue. Mais les signes qu'elle laisse me sont pas sympathiques, mais en tout cas m'intéressent, me fascinent. C'est d'ailleurs pas seulement un intérêt intellectuel, c'est un intérêt très profond et qui, oui, relève du goût et de la personne dans ce qu'elle a de plus caverneux, de plus sombre, de plus intime. Dans le journal du Voyage en France, vous parlez de la chute sociale relative de votre famille. Est-ce que c'est par là, par ce sentiment d'un déclassement social, que vous expliquez ce qu'on pourrait peut-être aussi décrire comme une nostalgie, que vous vous expliquez cela à vous-même? Écoutez, tout à fait, oui, ça me paraît absolument manifeste. La seule chose qui m'ennuie un peu là-dedans, c'est que c'est tellement énorme. Je crois que c'est une explication totalement grossière, mais le fait qu'elle soit grossière n'empêche pas qu'elle soit juste. Je crois que c'est tout à fait évident. Oui, je parlais de l'aspect nécessairement conservatoire de la littérature pour moi, et par exemple, certainement un traumatisme enfantin fondateur, celui de la perte d'une maison.
J'ai vécu jusqu'à un certain âge dans une maison au milieu d'un grand jardin que nous avons dû quitter quand j'avais, je crois, 13 ans. Et je crois certainement que cet élément est tout à fait essentiel dans le désir d'écrire, c'est-à-dire de sauver par l'écriture ce qui pouvait l'être. Quant à un déclassement social, il ne s'agissait pas vraiment de déclassement social, mais plutôt d'un déclassement économique avec résistance sociale très manifeste, c'est-à-dire à mesure que la situation économique et sociale véritable se dégradait, il y avait une surcharge et une insistance des signes d'une situation perdue, périmée. D'où l'importance des signes quand il n'y a plus que les signes. Alors justement, les signes sont là, signes de rien, par exemple. Le vouvoiement dans ma famille, vouvoiement qui est tout de même extrêmement anachronique. La littérature, pour moi, est liée manifestement à la perte. Toute grande littérature est liée à la perte. Je ne me range pas nécessairement dans la grande littérature, mais je crois que la perte est l'élément, peut-être même essentiel du langage. On nomme ce qu'on va ne plus avoir ou ce que déjà l'on n'a plus. Vous voyez la grande littérature sudiste, pourquoi le Sud a-t-il produit une littérature si abondante et si belle? Je crois qu'une des explications manifestes est le désastre de la guerre de sécession. C'est tout un monde perdu, tout un monde lointain est perdu. La littérature compense et elle est, oui, conservatoire. Les signes du pouvoir, la perte, j'allais vous demander, je vous le demande d'autant plus que vous parlez de cela, si vous êtes, en tant qu'écrivain, satisfait d'être originaire de Chamalières, parce qu'on pense évidemment à quelqu'un d'autre, qui était particulièrement oui. attaché aux signes du pouvoir, en dehors de, enfin, et qui avait, je crois, le même côté obsessionnel que vous de ces choses. Vous voyez, c'est quoi Chamalières? J'arrive toujours en seconde position, je veux dire. Le lieu de ma naissance est lié d'emblée à quelqu'un d'autre. Mon nom est celui de quelqu'un d'autre. Le lieu de ma naissance est celui qui a été illustré par quelqu'un d'autre. Romane de Caroni est évidemment Romane II, et alors que la figure mythique de l'histoire de la Caronie est le roi Romane Ier, celui qui doit revenir. Et ce pauvre Romane II n'est une espèce de doublure. Enfin, il arrive comme une citation, entre guillemets, un remake. Cela dit, si je puisse émouvoir des questions de légitimité, le rapport de Giscard d'Estaing à Chamalières est beaucoup plus lointain que le mien. Lui n'est que maire de Chamalières, il n'est pas né à Chamalières. Les questions de légitimité sont évidemment ce qu'il y a de plus passionnant au monde. Et ça aussi, c'est tout à fait central à toute littérature, la question de la légitimité, de l'origine, si l'on veut. Dans l'Élégie de Chamalières, vous définissez grosso modo Chamalières un peu comme Emmanuel Bove décrit Bécon les Bruyères dans le livre du même nom, c'est-à-dire littéralement comme un non-lieu. Oui, c'était un peu exagéré, ça m'arrangeait dans le contexte de ce livre, mais il se trouve qu'en effet, Chamalières est pris dans une agglomération et que ses confins sont tout à fait flous, qu'on peut très bien marcher dans Chamalières alors qu'on croyait se promener dans Clermont-Ferrand sans s'en rendre compte du tout. Donc c'est une ville qui est entre deux villes, Clermont et Roya. D'ailleurs, terrible humiliation, la grande avenue de Chamalières s'appelle l'avenue de Roya, c'est-à-dire celle qui mène de Clermont à Roya. Et Chamalières, longtemps, n'était en sorte qu'une une transition, un lieu de passage. Et de façon générale, l'Auvergne, dont vous parlez beaucoup dans votre journal, enfin le journal du voyage en France, et vous vous sentez auvergnat plutôt? Écoutez, non, pas vraiment, mais je ne me sens rien du tout. Au fond, je déplore qu'il n'existe pas un signe d'inappartenance. Vous savez, ce signe qu'a si bien illustré Roubaud, qui a la forme d'un epsilon, le signe d'appartenance, moi j'aimerais me mettre avant ou après un signe imaginaire que je sache, mais je n'ai aucune connaissance mathématique de l'inappartenance. Nous avons parlé hier de la question batmologique et il faudrait que j'ajoute absolument quelque chose. Vous aviez l'air d'impliquer, ou j'ai cru comprendre cela peut-être à tort, que le batmologue se situerait lui au-dessus ou au-delà des couches de discours dont il dresse le répertoire. Mais en aucune façon, à partir du moment où il est batmologue, il doute de lui-même et de son propre discours, c'est-à-dire qu'il est dans son
par rapport à son propre discours, dans un statut tout à fait provisoire et précaire. Et il ne tient pas tellement à ses opinions, ou elles ne tiennent pas à lui. Le roi Roman de Caroni, je crois, comme devise, « je n'y tiens pas ». Et lui-même n'y tient pas trop, et ou bien ce sont ces positions qui ne tiennent pas à lui. Mais par exemple, par rapport à l'Auvergne, à la patrie et à l'origine, j'ai un rapport, en effet, là encore, très ambigu. Je pourrais dire « je n'y tiens pas », mais en même temps, je n'ai absolument aucune espèce d'hostilité. Mais je veux dire, être auvergnat, ce n'est pas une identité très forte parce qu'elle n'est pas problématique. Je veux dire, être belge, être breton, être juif. Corse certainement, être juif, bien entendu, ce sont des identités problématiques. C'est-à-dire, quand on commence à mettre les gens sur cette question, ils en parlent constamment. Quand on est en Belgique avec les Belges, ça m'a toujours frappé, on ne parle que du fait d'être belge. Est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Être juif, probablement, c'est la même chose. Ce sont des identités, peut-être parce qu'il y a des conflits autour d'elles, des oppositions, peut-être parce qu'elles ont été menacées dans leur autonomie, comme c'est le cas, mettons, des Basques, des Bretons, des Corses, peu importe. Ce sont des identités problématiques et du coup très fortes. L'identité auvergnate, moi, par exemple, dans ma famille, on ne se disait jamais auvergnat. Ça n'avait pas d'importance. On était auvergnat, oui, aussi loin que l'on puisse remonter, je crois. Mes ancêtres, disons plus modestement, mes aïeux, étaient auvergnats. Mais on ne se disait guère auvergnat. Il faut dire que le terme est chargé en français de connotations assez déplaisantes. Bougnat. Oui, il y a ça toujours. Et toi, il y a la chanson de Brassens. Même dans Victor Hugo, ça, par exemple, il y a ces deux vers que j'ai toujours aimés pour la richesse de la rime. Je crains qu'il ne m'échappe. Sitôt que je vais chercher, c'est à propos de l'avocat Manuel, vous savez, sous la Restauration, qui avait été arrêté en pleine chambre des députés. Vicomte de Foucault, lorsque vous empoignâtes l'éloquent Manuel de vos mains auvergnates. On sent que les mains auvergnates sont vraiment une circonstance aggravante. Et auvergnat, oui, ça a bizarrement ces connotations un peu rustiques à laquelle nous ne nous soucions pas particulièrement de nous rattacher. Mais pourtant, nous aimions beaucoup l'Auvergne, certains aspects de l'Auvergne, en tout cas dans mon cas particulier, l'art roman, les volcans, la bruyère, les sites, les lacs, les forêts, la haute Auvergne plutôt que la basse, s'il y a un conflit interne à l'Auvergne entre les plaines et les montagnes, la plaine et la montagne. Et par contre, vous semblez tenir beaucoup au pays que vous avez inventé, la Caronie, enfin c'est tout à fait... Où est-ce que vous avez le même que rapport? Que j'ai inventé. Justement, cette remarque prouve ce que je voulais dire. Enfin, la Caronie est le pays que, enfin, pour certains lecteurs, vous avez inventé, qui est justement le pays dont Roman II est le roi déchu, le pays dont vous avez publié, donc je le disais tout à l'heure, la carte en ouverture de Roman Roi, dont vous publiez une sorte d'annuaire à la fin de Roman Furieux. On voit apparaître tous les grands personnages qui sont justement ceux-mêmes des deux livres. J'avais le sentiment que vous l'aviez inventé, mais je sais que vous pensez le contraire. Je m'y intéresse passionnément. J'ai trouvé que la Caronie et son roi et plusieurs de ses personnages historiques étaient en effet scandaleusement sous-estimés, oubliés. D'autant plus qu'à l'intérieur même de la Caronie, il y a eu une opération d'oubli systématique, de mensonge, cas très fréquent dans la plupart des pays du monde, mais par exemple de façon particulièrement frappante dans les pays d'Europe de l'Est, dans les autres démocraties populaires. Il y a une espèce de forclusion sur toute une partie de l'histoire et de réécriture de l'histoire. Mais la Caronie était victime en bloc d'une sorte d'interdit historiographique que j'ai cru de mon devoir de lever, de compenser. Mais alors, comment vous expliquez que dans ce pays, que pour ma part je ne connais finalement pas, enfin en tout cas beaucoup moins bien que vous, que ce pays ait beaucoup de traits du Portugal? C'est-à-dire que, au fond, le grand poète caronien semble une sorte d'hétéronyme de Pessoa, lui-même, en un certain sens, étant une sorte de réincarnation de Pessoa lui-même. Il est le fondateur de l'absentéisme, la grande doctrine littéraire de Caroni. Oui. L'une des
rivière qui borde, si mes souvenirs sont bons, la Caronie, s'appelle d'un nom qui ne peut pas ne pas évoquer le Portugal, la Saudade, etc. etc. Comment vous expliquez cette présence, finalement, de nombre de traits du Portugal, que je connais un petit peu, en tout cas beaucoup mieux que la Caronie, dans ce pays d'Europe centrale? Vous savez, un des traits caractéristiques de la Caronie, tout à fait singulier, c'est que tout le monde croit s'y reconnaître. En effet, la plupart des Portugais ont toujours été frappés par de grandes ressemblances avec le Portugal, mais les Roumains sont persuadés que la Caronie, c'est la Roumanie. Ils ont d'ailleurs une position tout à fait contradictoire. Ils disent que d'une part que la Caronie n'existe pas et d'autre part que la Caronie, c'est la Roumanie, ce qui semblerait impliquer que la Roumanie n'existe pas. Il y a de très nombreux exégètes qui ont tendance à tirer à eux la Caronie. Vous dites que la rivière qui traverse la Caronie de part en part s'appelle la Sonade, mais une lecture biographique remarquerait que la rivière qui passe au pied de cette maison où j'ai passé tous mes étés d'enfance en Auvergne, enfin, les confins de la Creuse, s'appelle la Saonade. Le merveilleux poète caronien Ulysses Hanon, qui est un écrivain lui aussi scandaleusement méconnu en Occident, sans doute, il a beaucoup de traits communs avec Pessoa, mais enfin, il est aussi, il prête à une lecture homérique, odysséenne, ne serait-ce que par son prénom. C'est aussi Ulysse, et c'est aussi personne, son nom Hanon le suggère assez. Tous les noms de la Caronie, par définition, sont bathymologiquement sédimentés et se prêtent à des exégèses complexes, nombreuses, qui autorisent chacun à tirer à soi la couverture. Je suis en train de songer tout d'un coup, est-ce que depuis la chute du mur de Berlin en novembre 89 et depuis les événements que tout le monde connaît, est-ce que vous avez eu l'occasion d'être invité en Caronie en tant que... Parce que je crois savoir que vous avez écrit votre livre sans y avoir mis les pieds, à partir de l'ensemble de la documentation que vous avez pu réunir ici. Vous avez pu vous y rendre, vous avez été invité, puisque maintenant la Caronie est libre. La Caronie est dans un statut extrêmement ambigu et qui n'est pas... Enfin, ce que... Personnellement, je pourrais souhaiter pour elle. Non, sans doute, voici des espérances, comme dit Nietzsche, mais elles sont bien loin d'être couronnées jusqu'à présent, c'est le cas de le dire. Une restauration n'est pas inenvisageable, mais rien n'est moins assuré. En tout cas, de la plupart des pays de l'Est, c'est celui qui est le moins nettement dégagé de son passé récent. C'est vrai qu'on n'en parle presque jamais, en plus enfin, l'oubli continue. On en parle très peu, mais le gouvernement même actuel de la Caronie a tendance à y veiller, qui a procédé encore une fois à une sorte d'occultation délibérée, manifeste de l'histoire et de la géographie. C'est quasiment suicidaire. Ce pays a désiré sortir de l'histoire et même de la géographie. Et vous n'avez pas le sentiment que les Roumains ont tenté, avec la Révolution, une entreprise de diversion par rapport à la Caronie, en nommant un Premier ministre qui s'appelait Petre Roman, histoire de faire oublier Roman II qui... C'est vraisemblable, oui. En tout cas, c'est un exemple très significatif du caractère générateur de la littérature. Alors, je disais que vous étiez tout à fait passionné par la... par la Caronie, et vous êtes également, et que la Caronie avait un certain nombre de traits du Portugal, le Portugal est très présent dans vos livres, enfin de diverses façons. Oui, c'est un pays que j'aime beaucoup, très profondément. Peut-être que ça relève du goût pour le coup, je n'en sais rien. J'aime les pays des confins, c'est un pays du bord, je crois que j'ai toujours préféré les bords au centre. La Caronie, c'est le centre du centre du centre. Le Caronie est marginal par rapport à l'Europe. C'est un pays, elle est peut-être centrale dans la mesure où c'est un pays du passage. Bien entendu, c'est le pays de Caron, celui qui fait passer, le passeur. C'est aussi le pays du retour, à en croire du moins les exégètes anglo-saxons qui sont très frappés par le fait que sa capitale s'appelle Bach, sur la rivière Saudade, évidemment, peut-être la rivière de la nostalgie, mais la capitale s'appelle Bax, ce qui semble bien suggérer un retour, peut-être que dans la Caronie, la traversée qu'autorise Caron peut se faire dans les deux sens, qui sait. Certains y ont vu le pays des morts, mais c'est le pays du don des morts, alors.
je repasse le Caroni en Portugal. Vous n'avez pas le sentiment que, alors que la Caroni fonctionne chez vous comme une sorte d'utopie du passé, le Portugal fonctionne un peu comme une utopie réelle dans nombre de vos textes, enfin d'utopie. L'utopie, le Portugal est une Oui. utopie réelle pour le portugais. Oui, je sais, oui. Le sentiment de lusitanité est extrêmement complexe. Eux aussi sont assez portés sur l'absentéisme, le grand mouvement d'Odyssée au Sanon en Caronie, mais il semble que le Portugal soit perçu par les Portugais eux-mêmes et par leurs intellectuels, pas comme une absence par définition, comme une idée de Portugal, comme un Portugal regretté et qui n'a peut-être jamais été, en tout cas tel qu'il est regretté. C'est une absence constitutive. Il y a l'œuvre que je connais très mal, que je ne connais que par ouï-dire ou ouï-lire, qui est celle de Teixeira de Pascoès, qui est, je crois le comprendre, une source très sous-estimée de l'œuvre de Pessoa. Sans doute que Pascoès est un non-dit essentiel, sinon de Pessoa, du moins des études pessoanes. Et il y a chez Teixeira de Pascoès, dont je ne peux même pas prononcer correctement le nom, un sentiment passionnant du Portugal comme saudade pure, c'est-à-dire comme regret immédiat. Est-ce que votre rapport à certaines régions comme le Portugal, la Caronie ou même l'Auvergne passe vous-même souvent par la lecture d'écrivains de ces pays ou de ces régions ou est-ce que ça passe par d'autres canaux? Est-ce que vous avez Ça besoin de cette médiation? passe en tout cas tout à fait par la lecture. Pas nécessairement l'écrivain d'ailleurs, la lecture de tout, de ce que les anglo-saxons appellent la littérature, entre guillemets, literature. Ça peut être des dépliants concernant des musées, des guides d'hôtels, mais par l'écrit. Oui, je crois pouvoir dire, hélas, peut-être que les pays n'existent pour moi que dans la mesure où ils sont écrits, où ils sont une écriture, mais où ils sont eux-mêmes une écriture. Le pays est un texte. Au fond, ce qui m'a fasciné le plus dans ma vie, c'est l'étroitesse du rapport entre la littérature et la réalité, le réel, la terre même, la géographie. Pourquoi pratiquais-je de façon aussi exagérée la forme du journal? C'est parce que le journal est tout de même le lieu où ce rapport est le plus étroit, c'est-à-dire même dans l'absurde, et je suis dans l'absurde, il y a coïncidence exacte entre l'écriture et les heures, les jours, les virgules et les fenêtres, entre les phrases et les épisodes de l'existence, entre la scansion, la syntaxe et le destin peut-être, ou tout simplement la vie au jour le jour. Donc les pays me fascinent comme écriture, et bien entendu, tout ce qui est écrit intervient. Je ne pourrais pas aimer peut-être un pays qui n'aurait pas été pris en compte, sinon par la littérature au sens le plus noble, du moins par une écriture quelconque. Je ne veux pas dire du tout l'écriture au sens années 70 du terme, je veux dire par quelque chose qui était écrit. Mais si en plus c'est pris en compte par une très haute littérature, c'est encore beaucoup mieux. Ce travers de ne pouvoir percevoir les pays qu'à travers la littérature et l'écrit en général m'affecte dans les deux sens et de façon peut-être plus grave, en tout cas moins approuvée de la théorie ou de la modernité, c'est-à-dire que j'ai tendance à ne lire les textes que de façon géographique, au fond. Je ne m'intéresserai pas à un texte qui n'apporterait pas avec lui sa topographie, son air à fendre, sa terre à fouler. Je ne veux pas dire que j'aime particulièrement les écrivains régionalistes, non, non, pas du tout d'ailleurs, mais j'aime les écrivains qui apportent un sol véritable. Je n'aime pas les écrivains sans lieu. Au fond, la question de l'origine se pose pour moi de la façon la plus rudimentaire, la plus élémentaire, c'est-à-dire d'où vient-on? Mais là-dedans, c'est sur le où qui est le terme fort. Et bien sûr, il est très préférable que cette terre apparaisse en littérature
transcendée par le travail et si possible par le talent ou le génie littéraire. Je pense par exemple à des œuvres comme celle de Claude Simon, par exemple, où le sol, la terre, l'air, le ciel est tout de même extrêmement présent. Et en plus, ce sont une terre, un ciel, un air nommable. Et donc, un écrivain comme Claude Simon, par exemple, vous fait voyager? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Claude Simon vous a fait aller en Grèce, vous a fait aller en Espagne. Tout à fait, tout à fait. Je pratique depuis toujours quelque chose de très peu approuvé par la modernité, mais la modernité n'a plus grand-chose à dire, Dieu merci. Enfin, non, Dieu merci, ça va t'en dire. Mais la modernité dans son aspect terroriste, en tout cas, ou qui empêche. Je pratique le pèlerinage littéraire, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aller sur des lieux. Et alors l'exemple que vous preniez est tout à fait pertinent, parce que je me souviens très bien être allé sur les lieux de la bataille de Pharsale, non pas du tout à cause de Pharsale et de Pompée, mais de Claude Simon et de la bataille. Et bien sûr, on a tendance à ridiculiser cela, parce qu'on... On prête aux gens qui font les pèlerinages littéraires l'illusion, en fait, tout à fait imbécile, bien sûr, que le lieu va donner le dernier mot du texte. Ce n'est pas du tout ça. Je ne cherche pas une explication de texte sur les lieux. Pas du tout un dernier mot, mais tout le contraire. J'aime qu'ils ajoutent quelque chose, c'est-à-dire, encore une fois, qu'ils donnent un air, une terre, en plus à la phrase. Non pas qu'il soit son explication, non pas du tout qu'il vous dise quelle est son origine ou quelque chose comme ça, non pas qu'il la rende moindre parce qu'elle serait plus précise, ah voilà ce qu'il voulait dire, pas du tout, mais qu'elle la rende plus vaste, qu'elle la creuse au fond. Une forme essentiellement musicale, mais qu'on pourrait transposer, qui m'a toujours fasciné, que j'adore, c'est la cavatine, c'est-à-dire ce qui creuse. Et j'aime que la lecture creuse, c'est-à-dire non pas aille d'un début à une fin, mais s'arrête quelque part et se met à creuser. Au fond, les églogues sont un texte qui se creuse constamment, c'est-à-dire où la phrase, où le développement, le paragraphe est constamment coupé par un ailleurs, par quelque chose qui intervient en dessous, qui va en dessous ou au-dessus, peu importe, enfin en dessous, dans la mesure où nous poursuivons la métaphore de la cavatine, mais quelque chose qui creuse l'ici, l'être là, et de préférence par un ailleurs, oui, c'est-à-dire étymologiquement la métaphore. Alors, j'imagine que vous seriez ravi si vos livres servaient de... Exactement comme vous sert la bataille de Pharsale, enfin, de presque, de, j'allais dire, de guide bleu. Enfin, moi, j'ai toujours pensé, pour ma part, par exemple, que le journal de la Bataille de France peut servir aussi comme guide, et enfin, comme un guide très particulier. Oui, j'adore ça. Quand les gens me disent quelquefois très gentiment, je suis allé dans tel pays en me servant de tel volume de vos journaux ou du Voyage en France. Comme d'un guide, ou plutôt comme d'un compagnon, parce qu'un guide, évidemment, doit vous dire quelle est la réalité de ce que vous voyez, ce qui n'est pas du tout mon propos, et ce n'est pas du tout ce que je souhaite, et ce n'est pas ce que j'aime dans les livres, qu'ils vous disent quelle est la réalité de ceci, mais au contraire, qu'ils rendent la chose, le lieu, l'heure, plus complexe, plus riche, plus bathymologiquement stratifiée. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Renaud Camus s'entretenait avec Jean-Pierre Salgas. Réalisation, Nicole Salerne. Demain, quatrième entretien. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Renaud Camus s'entretient avec Jean-Pierre Salgas. Quatrième entretien.
Renaud Camus, j'aimerais qu'on revienne sur la bathymologie, cette science des degrés de langage dont on a parlé à plusieurs reprises ces derniers jours, et qui est, je crois, l'axe de toute votre œuvre. Tout simplement parce que je me demande si, justement, enfin, il n'y a pas des zones de cette œuvre qui échapperaient complètement à cette science des degrés de langage. Et je pense au moins à deux d'entre elles. Et alors, la première serait probablement le sexe, non pas, je dirais, le sexe en soi, mais le sexe écrit, enfin le sexe tel que vous l'écrivez, tel que vous en parlez. Et d'abord dans ce livre, qui est probablement votre livre le plus connu, Trix en 1979. Mais aussi dans les journaux et dans vos journaux, j'entends, et dans nombre de textes où vous bataillez, c'est le cas de le dire ici ou là, sur cette question. Tout simplement parce que le sexe semble toujours chez vous un lieu, il est décrit chez vous comme un lieu d'innocence, vous employez souvent l'expression « innocence du sexe » contre, justement, Georges Bataille, et contre la tradition qui remonte à Sade aussi. Donc, est-ce que cette innocence, ce n'est pas un premier degré irréductible à toute autre chose? Voilà, sexe et bathymologie, je dirais, comment voyez-vous les deux choses? Sexe et bathymologie, c'est un beau sujet en effet. Mais je crois que vous avez raison, je ne puis qu'assumer là une contradiction, en effet, la perception du sexe, enfin, ma pratique si j'ose dire, et peu bathymologique, c'est vrai. L'innocence du sexe à quoi vous faisiez allusion, sa non-nocence en somme, innocence est évidemment un terme tellement chargé de connotations religieuses qui n'est peut-être pas très en place ici, mais l'innocence, donc entre guillemets, du sexe est une des rares idées à laquelle, contrairement à mes principes, en somme, je tiendrai. Oui, je tiens, c'est à peine une idée, c'est tout simplement une perception, je vois les choses comme ça, c'est une de mes rares convictions, c'est vrai, ou plutôt je ne vois pas son contraire, je ne vois pas en quoi le sexe est en quoi que ce soit un terrain de prouesse de discours en somme, et de, en tout cas de faute, de péché, de mal, bien entendu, il peut être une occasion de faute ou de péché selon le point de vue auquel on se place, comme n'importe quoi, comme la nourriture, comme le voyage, comme toute pratique sociale, enfin dans le sexe il peut y avoir des mal d'égoïsme, de méchanceté, de déloyauté, de non-respect de la parole donnée, qui sont bel et bien, oui, des fautes ou des péchés, mais je ne vois pas en quoi le sexe en soi est répréhensible au sens moral et au sens, a fortiori, au sens juridique du terme. Ça, c'est vrai, c'est une opposition totale à toute la tradition, en particulier à ce qu'on pourrait appeler la tradition érotique, dont Bataille est évidemment le représentant le plus glorieux, mais sans doute le meilleur, le plus plein de talent. Enfin, toute cette tradition qui voit un rapport entre Eros et le mal. Et moi, personnellement, je n'en vois aucun. Enfin, Eros n'est pas le terrain de la transgression. La transgression est un concept qui est d'ailleurs totalement étranger. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, par exemple, la littérature érotique qui est cette tradition serait une littérature justement au second degré par rapport au sexe, une littérature que vous ne pouvez pas pratiquer puisque justement vous le vivez au premier, dans une sorte de nature. Le sexe est chez vous toujours peut-être la seule zone de nature, alors que tous vos textes sont totalement et au-delà de tout et au-delà de l'au-delà dans la culture et dans la culture de la culture de la culture. C'est la seule immédiateté. C'est la seule immédiateté, en effet. C'est ce qui m'a toujours frappé et ce qui me pose un léger problème théorique. En effet, le sexe est peu médiatisé. Le désir ne passe pas par des références, par des discours, par des codes et ou simplement par des instruments. Par exemple, voilà des raisons du défaut d'intérêt pour l'érotisme qui est toujours lié à des mises en scène, à des situations, à des objets, toutes choses qui personnellement ne m'intéresse en aucune façon. Et donc, en effet, le sexe est non médiatisé et n'est pas le lieu de la
transgression. C'est bien et bien là une contradiction, me semble-t-il, que je ne puis que constater, mais comment l'expliquer? Cela dit, quand je dis que le sexe est non médiatisé, est-ce qu'il l'est jamais? Je ne le crois pas tout à fait, parce que bien entendu, il y a une histoire du désir, et je fais partie, comme tout le monde, de l'histoire du désir. Je veux dire que mon désir est certainement lié à des images, à celles d'une génération, et il n'est pas le même que celui de la génération précédente, et certainement pas le même que celui de la génération suivante. Il est lié là encore à la culture, donc on vous le mettait tout entier du côté de la nature, je n'irai pas tout à fait jusque là, je le mettrai du côté de l'innocence. Oui, je ne vois pas évidemment pas de péché, mais même pas de faute dans le sexe en lui-même, de l'innocence, oui, de la nature, non, mais la nature et l'innocence, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? C'est même peut-être le contraire, au fond. Je crois que l'innocence est une longue conquête, comme le naturel, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se mérite, qui se travaille, tout à fait. Une innocence qui serait donnée immédiatement et qui serait une non-connaissance, quelle vertu morale présenterait-elle? Non, ça n'a aucun intérêt, ça n'existe pas une innocence d'ailleurs. Donc mon objection se renverse, c'est-à-dire loin d'échapper, je dirais, par le bas à la bêtemologie, le sexe y échapperait par le haut, c'est-à-dire ce serait dans vos textes le lieu de la suprême post-méta-bêtemologie. Ah, heureusement, je vous ai pour me tirer de ce mauvais pas. À propos du sexe qui, je ne sais même pas si on l'a dit, se trouve dans votre œuvre être homosexuel, enfin bon, vous avez créé un mot dont j'ai jusqu'à, d'ailleurs, la preuve que ce mot a marché, si je puis dire, c'est que jusqu'à une période récente, j'ai moi-même toujours été persuadé que c'était un vieux mot grec que vous n'aviez fait que reprendre. Ce mot est le mot acrien. Vous vous souvenez des raisons qui vous ont amené à créer ce mot-là? Parce que finalement, le récit de la création du mot se trouve dans Travers, soit le troisième tome des églogues, donc c'est assez ancien. Puis ensuite, il y a eu ces livres que j'ai toujours pris pour des livres faisant référence à une ancienne pratique grecque, les notes acriennes, les chroniques acriennes, etc. Bon. Non, mon homosexualité est peu grecque. Mais enfin, je conviens qu'acrien ressemble à Kéa, ou des choses comme ça. Pourquoi ai-je cru nécessaire de le créer pour mon usage personnel et en tout cas littéraire, parce que tous les mots qui existaient étaient tellement lourd ou déplaisant et en tout cas peu littéraire que je n'arrivais pas à les manier. Il y a des mots qui découragent l'usage littéraire, ne serait-ce qu'homosexuel, qui avait au moins l'avantage d'être pas péjoratif et d'être purement descriptif, et très juste en ce qui me concerne. Moi, je me sens très homosexuel, en effet, c'est-à-dire désirant le même et non pas pédérastique, par exemple, pour entrer dans les détails. Homosexuel était très juste, mais vraiment, placer homosexuel dans une phrase de littérature. Enfin, je ne peux pas dire que ce que j'écris relève forcément de la littérature, enfin, qui a une lointaine visée littéraire, ça me semblait tout à fait impossible. Il me semble, si on réfléchit juste à la situation contemporaine, que votre œuvre sonne différemment de celle d'écrivain homosexuel ou homosexuel écrivain, et je crois que c'est lié à ces questions de l'innocence qu'on évoquait précédemment concernant le sida. Je pense en particulier à un texte comme Élégie pour quelques-uns, le sida est, je dirais, constamment présent, évidemment. Voilà un bon exemple, si vous me permettez de vous interrompre une seconde, de mots. Pour moi, inutilisable littérairement. C'est d'ailleurs une des choses, pardon de faire cette réflexion presque cynique, mais une des choses les pires dans le sida, c'est la laideur et la bêtise du mot. Mourir d'un acronyme, ah non. Le cancer, oui, ça c'est une chose qui a sa mythologie, son passé, sa grandeur, qui est un signe astrologique, qui est un animal, qui est un monde, enfin, qui, tandis que mourir de quatre petites lettres qui ne sont même pas fichues de faire un mot, un vrai mot, tout ça absolument accablant. Alors, voilà un mot que je ne peux pas utiliser littérairement. Si vous me permettez de vous interrompre, vous l'avez utilisé littérairement, puisque, je veux dire, page 415 de Roman Roy, vous avez cité dans une exergue un livre imaginaire, et c'était dans 83, ça m'a d'autant plus étonné à cause de la date, qui s'appelle La jeunesse de Sida. Donc, enfin, vous l'avez utilisé justement dans un jeu strictement littéraire, l'un de ces deux romans dont on a parlé. La jeunesse de Sida, mais c'est Sida S majuscule IDA. Oui, ça, absolument. C'est un livre de littérature caronienne. Oui, c'est un livre caronien, mais... C'est un nom propre, là, c'est une jeune femme. Vous avez lu le livre lui-même? La jeunesse de Sida? Oui. Non, pas du tout. C'est un joli livre, caronien, relativement mineur, mais c'est assez joli. Oui.
Donc, enfin, ceci pour dire que, vous, enfin, justement, puisque c'était un livre caronien, vous, alors c'est peut-être une sorte de plagiat par anticipation dans ce livre caronien d'une maladie qui est advenue d'ailleurs dans les mêmes années que celle pendant laquelle vous le citiez. C'est un peu ça. La caronie est un long plagiat par anticipation. De beaucoup de choses, oui. De beaucoup de choses. À côté du sexe, si je puis dire, une autre zone de vos préoccupations, de votre vie et de votre écriture, qui peut-être est en marge du comportement bathymologique, et qui me semble avoir affaire au sexe analogiquement, c'est probablement votre rapport, je dirais, compulsif, à l'art et au musée. Enfin, j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on pourrait lire vos journaux comme se divisant principalement en deux grandes séries. Enfin, la série Les Garçons, comme des fois d'ailleurs vous le faites vous-même. Je pense par exemple dans l'avant-dernier journal avec Philippe 1, Philippe 2, Philippe 3, Philippe 4, etc. et toute une dynastie comme celle des rois d'Espagne. Et puis, donc la série des musées, puisque vous rendez compte abondamment, inlassablement, de visites au musée. Et alors, les musées seraient justement l'expression du goût et de ce que j'appelais à l'instant la culture cultivée, enfin l'hyperculture, mais qui serait néanmoins. Ça fonctionnerait de la même façon avec cette répétition et ça échapperait au regard objectivant qui est celui de la bathymologie. Bon, je vois bien ce que ces deux domaines ont en commun en leur caractère compulsif, mais je ne vois pas très bien, alors, en revanche, en quoi mon intérêt passionné et peut-être exagéré quantitativement pour les tableaux, les musées, serait anti-bathymologique. Non, au contraire, l'esthétique est le terrain essentiellement bathymologique, donc tout discours de la peinture est ou devrait être, enfin en tout cas sous ma plume, tout à fait bathymologique. Peut-être que inconsciemment j'y échappe quelquefois, ça c'est le retour de la pulsion pure et peut-être de la bêtise ou du goût ou de ce qui se prend pour tel, c'est-à-dire ce qui ne s'interroge pas sur soi-même, sur ses raisons et sur sa terminologie. Mais non, je ne dirais pas. Ce que je veux dire, c'est souvent, à certains moments, le discours est bathymologique, à certains moments, c'est justement le discours du connaisseur qui n'est pas bathymologique, qui est justement le discours du goût. Ça que je voulais. C'est ce à quoi je crois tout à fait, c'est au jugement. Au fond, il n'y a pas de mot plus impie que la phrase de l'écriture « tu ne jugeras pas ». Tu ne jugeras pas, c'est la mort. Les civilisations qui ne jugent pas sont des civilisations mortes. Pourquoi la France est en train de sortir de l'histoire? Parce que la France ne juge pas avec ses critiques qui paraissent n'avoir plus aucun sentiment de la responsabilité historique. Enfin, juge aussi bien les livres, les artistes, les compositeurs, la petite semaine, cette espèce d'abdication consciente ou inconsciente, mais extraordinairement frappante, du jugement. Presque plus personne n'a le courage de dire ceci ou celui-ci est grand et celui-ci n'est pas grand. Moi, je suis absolument pour le jugement et je suis persuadé que le « tu ne jugeras pas », c'est la parole de la mort, de la fin, de la tombée de l'histoire. Je crois même aux classifications, aux nomenclatures. C'est très peu sympathique et c'est tout à fait contraire à ce que je me suis permis d'appeler souvent l'idéologie du sympa, mais je suis tout à fait non seulement pour le jugement, mais pour la classification, la conversation sur l'art. Et tel artiste est plus grand que tel autre, ce que déteste l'idéologie petite bourgeoise. Un artiste ne serait pas plus grand que tel autre. Tout ça, distingue. C'est une question de goût, on renvoie toujours au goût, c'est-à-dire à la non-discussion, à ce qui serait de l'ordre de l'indicible, c'est-à-dire on évacue le discours. Et moi, je suis absolument pour le maintien du jugement, bien sûr, c'est-à-dire un jugement qui n'est pas définitif. Tous les jugements sont toujours susceptibles d'être révisés et revus, mais je crois à la nécessité de juger, ne pas vouloir dire qu'un tel est plus grand que tel autre. On peut même faire des classifications, des mises en ordre, des numéros de grandeur, ce qui est tout à fait méprisé. Faites attention, parce que je vais vous poser des questions de palmarès. J'assume pleinement, ne serait-ce que par esprit de contradiction par rapport à l'idéologie petite bourgeoise ambiante qui refuse de juger. Qui est le plus grand peintre contemporain? J'ai une réponse à vous lire. Enfin, du moins, il y a un peintre dont vous parlez beaucoup plus que des autres, comme il y a certaines périodes dont vous parlez plus que d'autres. C'est probablement ça, Twombly, qui est le peintre le plus nommé et le probablement
Sans doute, mais je crois que là, le goût, alors pour le coup, intervient peut-être exagérément. Et il y avait des raisons qui relèvent du goût qui faisaient que Cy Twombly était peut-être particulièrement destiné à me plaire et à susciter mon admiration. Justement, ce côté paradoxal de l'extrême modernité, de l'audace et en même temps de l'amour du passé, c'est-à-dire c'est un art totalement conservatoire qui est plein d'hommages. L'hommage à Mallarmé, l'hommage à Théocrite, à ça fait, c'est un art qui essaye de ramasser du passé le plus possible. Et au fond, j'ai toujours été sensible à ça, à ces aventures intellectuelles ou esthétiques de gens qui essayent de sauver ce qui peut l'être dans des moments de fin de civilisation, de menace pour la civilisation. Pour citer un autre, nous étions l'autre jour dans les Auvergnats, il y en a un qui m'est très cher, qui est un personnage mineur, qui est Sidoine Apollinaire, qui était un évêque de Clermont au 5e siècle, et qui a ce côté absolument touchant d'essayer de sauver à le crépuscule de la civilisation gréco-latine, tout ce qu'il peut sauver très maladroitement sur le pauvre raffio de son art personnel, qui n'est pas quelque chose d'absolument magistral. Il essaye de sauver tout ce qu'il peut. Et alors Twombly, avec de tout autre moyen à mon avis, essaye de tout sauver. Au fond, l'art moderne, contemporain, nouveau, ne m'intéresse, ou plutôt ne me plaît, que dans la mesure où il est l'objet d'une tension avec le passé, où il est inventif, prodigieusement inventif, nouveau, inédit, original, mais où cette originalité est informée par l'amour de ce qui tombe, de ce qui meurt, de ce qui a disparu. Les arts autodidactes, par exemple, nous sont tout à fait indifférents, en somme, hostiles. Moi, je n'aime que les arts des gens qui savent ce qu'ils perdent. Et je vous ai soufflé, enfin, le nom de Twombly, parce que c'est incontestablement le nom que vous citez le plus souvent, mais vous citeriez d'autres noms d'artistes contemporains? Oui, j'aime beaucoup par exemple Rauschenberg, un autre américain. C'était à mon avis le deuxième au palmarès quand on lit votre œuvre. Sans doute, oui, j'aime beaucoup Rauschenberg. Mais Jones. Ah oui, plus américain. Alors voilà un bon exemple, le goût intervient. Par exemple, entre Jones et Rauschenberg. Voilà deux articles qui sont très très comparables. Je dis, il n'y a pas de goût, il n'y a que des états culturels. Si quelqu'un dit, j'aime très moi et l'autre, j'aime Mondrian, c'est une affaire d'état culturel. Mais si quelqu'un dit, j'aime Rauschenberg, l'autre, j'aime Jones. Alors là, il me semble que le goût intervient. Je ferai remarquer que la tendance critique placerait Jones un peu plus haut que Rauschenberg. D'ailleurs, les plus abondantes. Il semble toujours y avoir un prestige un peu plus grand en faveur de Jasper Johns. Et là, sans doute, en ce qui me concerne, le goût intervient. Et je suis beaucoup plus sensible à l'œuvre de Rauschenberg. Je dis que c'est un autre américain, mais Twombly peut-il être rangé tout à fait parmi les américains? Après tout, c'est un peintre américain d'origine, mais qui vit en Europe depuis de nombreuses décennies, qui habite un palais romain, qui a choisi le lieu culturel le plus surdéterminé, le plus prégnant de l'ancien continent pour y travailler. Donc, est-ce un peintre américain? J'en sais rien. Vous parlez de peintres qui sauvent la tradition d'une certaine façon. Vous parlez aussi énormément, énormément de peintures du passé. J'en parlais à propos des musées, puisque vous êtes un inlassable visiteur de tous les musées devant lesquels vous Alors passez. Alors que je déteste les musées, mais enfin. Oui. Je veux dire, le rapport au tableau qui est impliqué par le musée ne cesse de m'exaspérer. Je suis persuadé que les tableaux n'ont pas été faits, n'ont pas été peints pour être vus dans les musées. Enfin, c'est un rapport totalement imbécile. Mais je tombe évidemment à chaque fois dans ce panneau. Quand je suis dans une ville étrangère, je vais voir les musées et voir mes 200 ou 300 tableaux dans la journée, ce qui est bien entendu le comble de l'imbécilité et de l'irrespect à l'égard des peintres. Il y a des tableaux qui sont faits pour... sinon pour le musée, du moins pour le lieu public. Mais il y a un tas de tableaux merveilleux qui demandent une élection particulière, enfin une fréquentation assidue, des variations de lumière qui ne sont pas faits pour être un tableau dans un musée et n'est pas vu vraiment. Enfin, les gens de très grands artistes n'ont pas travaillé 6 mois, 2 ans, 3 ans pour qu'un tableau soit vu 3 minutes dans un musée. C'est comme si lire un roman consistait à lire la prière d'un serré. Alors, j'ai le sentiment que l'équivalent, d'une certaine façon,
de Twombly ou de Rauschenberg, enfin dans vos goûts dans la peinture ancienne, serait probablement globalement la peinture du XVIIe siècle, enfin qui semble être votre, votre favorite. Pourquoi ? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est l'auteur de Roman Roy qui est passionné par la peinture d'histoire au grand sens du terme ? Non, ce n'est pas vraiment la peinture d'histoire. Qu'est-ce qui relèverait vraiment de la peinture d'histoire au XVIIe siècle ? Non, c'est sans doute la peinture mythologique que j'aime beaucoup, en tout cas le mythe. Au fond, je suis assez sensible à ce que disait, je ne sais plus qui, au moins les impressionnistes, qui le reprochaient très paradoxalement pour ces peintres de plein air d'être bas de plafond. Mais au fond, je crois qu'avec l'impressionnisme, c'est perdu malgré tout quelque chose dans la peinture, c'est-à-dire l'inspiration mythologique, la tragédie, le mythe. On est tombé dans le paysage. Non, on s'est ouvert le paysage, on s'est ouvert la vie réelle, la vie quotidienne. Mais la peinture, pendant des siècles, c'était tout de même préoccupé de quelque chose dont la perte m'afflige, oui, c'est-à-dire le rapport avec les dieux, enfin, pour parler de manière un peu grandiloque. Et quels sont les peintres du XVIIe qui vous intéressent le plus ? Oui, j'aime presque tous les peintres du XVIIe, particulièrement les Italiens ou les Français d'Italie. Caravage, bien entendu, pour citer des noms moins prévisibles, un peu moins prévisibles, par exemple Valentin de Boulogne, qui est un peintre que j'adore, que je crois très très sous-estimé, qui est un des plus grands peintres français, à mon avis, ou bien Gaspard Duguay, ce qu'on appelait jadis le Gaspre Poussin, le beau-frère de Poussin. J'aime beaucoup le romantisme du XVIIe siècle. Est-ce qu'éventuellement... Pas vraiment arrangé dans le romantisme du XVIIe siècle, mais dans le culte de la forme, dans la tradition française formaliste, un peintre aussi, je trouve, très sous-évalué, Sébastien Bourdon, par exemple. Les couvertures de vos livres sont des photos Renaud Camus. Ah oui, j'entends les photos Renaud Camus qui sont reproduites sur vos livres sont plus que des photos d'amateurs. Non, c'est-à-dire je photographie énormément, alors j'ai tendance à mettre sur les couvertures de mes livres celles qui sont le moins impressentables. Mais s'il y en a quelques-unes qui sont à peu près convenables, c'est un peu la loi des grands nombres. Non, là encore, je n'ai absolument aucune technique, je ne sais pas faire de photographie, mais j'en fais énormément, oui. Surtout de paysages, un peu de tout, surtout au fond de lumière. Je m'intéresse beaucoup à les effets de lumière, au clair-obscur, voilà un lien avec la peinture du XVIIe siècle. J'aime beaucoup les lumières, en particulier les lumières en oblique, les ombres. Et quel est le rapport entre la photographie et l'écriture ? Est-ce que les choses ont un rapport ou pas ? Et le voyage. Je pense qu'elles ont un rapport, c'est-à-dire qu'elles procèdent l'une et l'autre de la manie de la trace, de vouloir inscrire le plus grand nombre de choses possibles. Malgré mon goût de la perte, ma passion pour la perte, au fond, j'essaye de perdre le moins possible. Là encore, c'est une contradiction, que les choses photographiées ne sont pas tout à fait perdues, comme les choses écrites. Mais en même temps, peut-être que tourner la perte, c'est la consacrer, de même que la perte, selon Rilke, consacre la possession. Vous suivez moins manifestement, si je me fie toujours au journal, ce qui se passe dans la photographie que vous ne suivez ce qui se passe... Non, ça m'intéresse beaucoup, la photographie, non, j'aime beaucoup voir les expositions de photographie, en particulier je me suis beaucoup intéressé à la photographie ancienne du 19e siècle, ça m'a toujours beaucoup plu. Oui, vous disiez à l'instant, ou plutôt tout à l'heure, que les œuvres d'art n'avaient pas été faites pour les murs des musées, et nous sommes ici chez vous où il y a quelques œuvres contemporaines au mur. C'est important pour vous de vivre parmi les œuvres ou finalement pas tellement? Ah oui, tout à fait. Et puis je crois que les œuvres sont faites pour une fréquentation continue, pour être soumises à l'épreuve du temps et au jeu de la lumière. Si j'étais maître absolu de Messimès, je vivrais parmi la peinture du XVIIe siècle ou des maîtres.
que j'aime, de quelque époque que ce soit. Nous sommes soumis à quelques contingences extra-esthétiques. Cela dit, j'ai des œuvres d'artistes contemporains ou amis, comme par exemple Jean-Paul Marcheschi, dont j'aime beaucoup le travail. Sur qui vous avez écrit? Sur qui j'ai écrit, oui, j'admire vraiment profondément ce qu'il fait. Mais évidemment, pour quelqu'un qui a tendance à s'interroger, comme je fais, sur l'origine des opinions, là encore, c'est un excellent ami à moi, c'est même, je peux le dire, mon meilleur ami. Du coup, si j'aime tellement son œuvre, quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est un aussi merveilleux artiste que j'ai tendance à le penser? Je ne sais pas d'où vient en moi l'appréciation pour cette œuvre, ou peut-être sommes-nous amis parce que nous avions une certaine façon de voir le monde, ou certaines opinions sur l'art, justement, qui étaient proches, peut-être en ordre inverse. Mais là encore, voilà un bon exemple de doute sur l'origine de l'opinion, ce qui est au fond une de mes grandes obsessions, et à commencer par mes opinions propres. Cela dit, oui, je reprochais aux gens de ne pas s'engager, aux critiques de ne pas s'engager. Moi, j'aurais tout à fait tendance à m'engager sur la grandeur et la majesté de l'œuvre de Marcheschi. Oui, vous avez sur Jean-Paul Marcheschi écrit un petit livre qui est paru récemment chez POL. J'en ai écrit de la préface, ça va dire. Absolument, puisque le reste est constitué de textes de l'intéressé. Et effectivement, enfin, vous venez de redire que c'était votre meilleur ami, et vous le dites finalement, dans mon souvenir, c'est la première phrase du texte de cette préface. Et j'avoue qu'en la lisant, je m'étais demandé si finalement c'était une façon justement mathématologique de désigner votre place par rapport à lui et par rapport au discours que vous tenez par rapport à lui, ou au contraire justement une façon de vous évader de cette place par la ruse qui consiste justement à la désigner pour être d'autant plus en dehors. Je ne suis pas sûr que ce soit inconciliable, c'est l'un et l'autre. Enfin, ça procédait essentiellement de scrupules d'honnêteté, ne serait-ce que par rapport à moi-même. Je voulais dire d'où je parlais. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Renaud Camus s'entretenait avec Jean-Pierre Salgas. Réalisation, Nicole Salerne. Demain, cinquième et dernier entretien. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Renaud Camus s'entretient avec Jean-Pierre Salgas. Cinquième et dernier entretien. Renaud Camus, j'ai assez envie finalement d'inaugurer cette dernière rencontre de la semaine par la phrase qui inaugurait la première et qui est la première phrase de toute votre œuvre, quoi qu'il advienne, puisque vous ne pourrez pas revenir sur la première œuvre, et qui était « Et de nouveau, une table, une fenêtre, une table près d'une fenêtre, et la vue, les vues ». J'ai cette envie, puisque finalement nous sommes chez vous, et que cette phrase écrite en 1975, j'imagine, bon d'abord qui est une phrase de roman, et écrite j'imagine dans un autre endroit que celui-ci, est la plus exacte description de ce qui est en train de nous arriver, puisque nous sommes de deux côtés d'une table près d'une fenêtre, avec la vue, les vues aussi sur les murs. C'est très important pour vous de vivre près d'une fenêtre, de vivre aussi j'imagine assez haut. Enfin, j'ai le sentiment à lire le journal que très très souvent vous avez cherché de la hauteur, j'entends par là des endroits qui étaient au-dessus des toits. Oui, je suis tout à fait obsédé par la vue.
Il se trouve, pour des raisons tout à fait contingentes, comme je travaille toute la journée, enfin j'écris, je suis chez moi, je pourrais difficilement habiter dans un endroit très renfermé, enfin je ne sors pas dans mes journées de travail, je suis tout le temps à mon bureau et je pourrais mal avoir en face de moi un mur à 3 mètres. Donc il est très important d'avoir des fenêtres, de la vue, de l'air, de la lumière. Et vous avez toujours vécu, comme je le soupçonnais, donc dans des appartements aux allures de nacelles suspendues, comme vous le dites, je crois, dans Fendre-l'air. Eh bien, j'ai tâché, oui, ça a été une obsession. Vous savez, il faut faire certains choix, alors avec les inconvénients que ça implique, c'est-à-dire souvent de monter beaucoup d'étages à pied, par exemple. Et puis, la chance m'a souri quelquefois, par exemple, à la Villa Médicis, où j'avais une maison absolument merveilleuse, qui commandait un panorama immense sur tout Rome, tout en étant dans Rome. Oui, vous disiez que vous passez votre journée ici et ça m'amène à une autre de vos phrases que j'avais notée, qui est la suivante, tirée des notes sur les manières du temps, qui est l'un des volumes de Miscellanée. L'emploi du temps est la question morale par excellence, en elle se résument toutes les autres. Cette phrase est déjà assez ancienne, vous la soutiendriez toujours, Oh, tout à j'imagine. fait, oui, voilà une phrase que j'assume pleinement. Oui, je crois que décider ce que l'on fait de son temps juge un homme et nous juge. Tous les choix essentiels sont compris dans le peu de temps qui nous est imparti et ce que nous en faisons. Et il y a là une inférence morale qui est peut-être quelque chose qui m'est assez propre, enfin, et qui est d'ailleurs souvent mal vu autour de moi, et même mécompris, puisque, étant donné que je suis partisan d'une certaine liberté sexuelle, et crois, comme vous l'avez rappelé, à l'innocence du sexe, on a tendance à me mettre parmi les ennemis de la morale. Je le lis souvent dans les articles qui me sont consacrés, et ça me surprend toujours énormément, et je proteste véhémentement. Moi, je suis tout à fait pour la morale, je suis qui est tout à fait dans la grande tradition de la morale. Et je trouve que le combat pour la liberté sexuelle, et en tout cas contre la répression sexuelle, est un combat absolument moral. C'est au nom de la morale que je me bats contre la répression. Là, en l'occurrence, quand vous parlez d'emploi du temps, il s'agit plus d'éthique. J'entends par là que on appelle en général l'éthique ce qui ne concernerait que soi et la morale ce qui concernerait tout le monde. L'emploi du temps, ça ne vous concerne que vous-même. Ça concerne, non, ça concerne aussi mon rapport au monde et aux autres. On est constamment confronté toute la journée à des choix qui sont bel et bien éthiques. Est-il le plus éthique pour un écrivain de passer son temps à sa jour à son bureau en train d'écrire ou d'aller manifester pour quelque juste cause ou d'aller visiter les malades ou d'aller porter des secours dans des bidonvilles, que sais-je, ce sont constamment des choix éthiques. Ou même s'il écrit, est-il plus éthique d'écrire ceci que d'écrire cela? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Tout simplement de répondre au courrier, de passer les coups de téléphone à des amis ou à des gens qui ont besoin que vous les appeliez. Je trouve à tous les instants du jour se posent des questions qui sont bel et bien d'ordre moral, non pas dans un conflit entre le bien et le mal nécessairement, mais dans le conflit beaucoup plus délicat entre le bien et le bien. Est-ce que vous pourriez nous raconter une journée de Renaud Camus ici? L'essentiel de la journée se passe ici. Oui, par les journées exceptionnelles de sortie, de visite de musée, par exemple, de cinéma, de Ils théâtre, sont de nombreux. concert, des choses comme ça. Oui, qui sont assez nombreux. Mais la journée type se passe ici, oui, et la règle qui n'est pas toujours respectée est d'écrire de 10h à midi, de 2h à 8h. La règle voudrait également que la matinée seule soit consacrée au journal, mais cette règle est rarement respectée. Généralement, le journal, malheureusement, dépasse sur l'après-midi. Et le journal, il s'agit toujours du journal de la veille ou des fois il y a des rattrapages des journaux. Il y a des rattrapages, mais le décalage est généralement infime. Il y a par ailleurs sur la table un ordinateur. C'est important pour vous dans ce travail d'écrire sur ordinateur? J'ai le sentiment, évidemment, a posteriori, comme beaucoup de choses qu'on a pu dire ces derniers jours, que
La façon dont sont construites même les deux derniers tomes, c'est-à-dire les tomes 3 et 4, les églogues, travers et été, sont une sorte d'anticipation, alors qu'à l'époque, l'ordinateur existait bien sûr, mais absolument pas le traitement de texte pour les écrivains ni pour quiconque, sont une sorte d'anticipation de ce que permet comme travail, des possibilités qu'ouvre à l'écrivain le traitement de texte, puisqu'on peut toujours inlassablement, à n'importe quel point du texte, insérer une note qui elle-même sera parcourue d'autres notes, etc. Bon. Quant aux anticipations, je pense que les volumes de Zeglog dont vous parliez étaient peut-être davantage une anticipation du zapping. J'y pense assez souvent, il y a un côté très zappé dans ces textes, c'est-à-dire qu'on passe constamment d'une chaîne à une autre. C'est bien le cas de le dire. Une chaîne sémantique, en tout cas, une autre, d'une chaîne diégétique. Quant à l'influence de l'ordinateur, qui est un ordinateur portable, c'est-à-dire qui peut rusticantur nobiscum, que vous emmenez avec vous. Ah vous oui, voyager. Oui, tout à fait, c'est un ordinateur de voyage. A-t-il eu une influence sur mon écriture, entre guillemets, j'ai l'impression que oui, le fait de voir immédiatement sa phrase, parce qu'avant, j'écrivais terriblement vite, et mon problème est que j'avais le plus grand mal à me relire. Enfin, les journaux qui sont des textes et qui sont vraiment une course contre la montre. Enfin, il s'agit vraiment d'adhérer au temps, mais si possible, de ne pas se laisser distancer par lui. Et j'avais un très grand problème de ce côté-là, tout simplement à me déchiffrer. Alors, l'ordinateur a réglé cette question, de sorte que la phrase apparaît immédiatement dans sa forme quasiment définitive, et elle en revêt une certaine solennité. Enfin, elle est plus formal, si je puis dire. Et par ailleurs, vous écoutez de la musique en écrivant ? Je dis ça parce que la musique semble très présente autour de nous. Oui, tout à fait, j'écoute beaucoup de musique, mais pas du tout en écrivant. Non, ça, je n'ai jamais pu comprendre comment on pouvait écrire en écoutant de la musique. Non, il y a un problème de confrontation de rythme. Enfin, je ne vois pas comment on peut trouver le rythme d'une phrase. Oui, justement, ça pourrait vous donner le rythme. Alors, mais je n'ai pas envie qu'on me donne les rythmes. Je tiens à la paternité de mes rythmes. Non, je n'écoute pas du tout de musique en écrivant. Non, jamais. Et est-ce que vous, ce qui peut sembler dit comme ça une totale absurdité, mais est-ce que vous lisez en écrivant justement pour trouver le rythme chez quelqu'un d'autre? Oui, en tout, oui, ces deux activités sont beaucoup plus facilement mélangeables. Et d'ailleurs, quelquefois, leurs confins sont tout à fait flous. Écrire et continuer à lire, et peut-être réciproquement. Mais c'est assez dangereux parce que je suis terriblement caméléon. Et quand je lis un auteur qui a une musique, justement, ou un rythme très fort, ou un ton tout à fait particulier, j'ai tendance à limité, enfin dans la mesure de mes moyens. Il y a des écrivains absolument redoutables dans ce genre-là. Par exemple ? Par exemple, Chateaubriand est un des plus dangereux. Il a fait beaucoup de ravages. Chateaubriand fait des ravages épouvantables. Enfin, ou Bossuet, par exemple, sont des écrivains dont on ne veut pas lire une demi-page sans aussitôt, absolument sans le vouloir, être pris dans leur construction. Vous vivez, comme on dit, de votre plume, même si cette plume prend la forme d'un ordinateur. C'est un choix ou c'est un hasard? Au départ, c'est quelque chose que vous avez voulu absolument. Oui, c'est un choix. Non, ce n'est pas un hasard. Non, c'est un choix, mais c'est un choix pas difficile à assumer. Mais ça, vous vivez mal de votre plume. Je vis mal de ma plume. Vous mal de votre plume. Enfin, je vis économiquement difficilement de ma plume. Je ne vais pas le dire mal. Mm-hmm. Ma vie, après tout, est celle que je choisis. Je serais malvenu de m'en plaindre exagérément. Mais ce n'est pas un choix que je conseillerais forcément à tout le monde. Et aujourd'hui, vous avez une mensualité de votre éditeur ? En ce moment, oui, c'est lié à des contrats pour tel ou tel livre. Il se trouve qu'en ce moment, oui, parce que j'ai un contrat pour un roman qui va s'appeler Le Voyageur. Mais y a-t-il jamais eu une période depuis 15 ans où vous n'avez pas été sous contrat avec POL? Ah, tout à fait, oui, nombreuses. Oui. Non, c'est plutôt cet arrangement-là qui est exceptionnel. Non, il y a eu la période où j'étais à la Villa Médicis pendant 2 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une période par définition. Par l'État. Salarié. Et puis la nature même des contrats varie en fonction
des ouvrages sur lesquels je travaille, il y en a qui ont une petite chance de trouver un public un peu plus large, et il y en a qui n'en ont guère. Je doute que POL, malgré sa grande générosité, me fasse un pont d'or pour de nouveaux volumes des églogues. Alors actuellement, vous travaillez sur quel livre, en dehors de la suite du journal qui est l'évidence ? Tout à fait. Actuellement, je travaille sur un livret d'opéra pour mon ami Gérard Pesson, qui est un jeune compositeur qui, par coïncidence, occupe ma maison, si je puis dire, à la Villa Médicis en ce moment. Je dois écrire donc ce roman qui s'appelle Le Voyageur, qui se situe d'ailleurs en Caronie. C'est un voyage en Caronie. Mais ce n'est pas la suite. Ce n'est pas la suite des deux autres. Ce n'est pas le destin du roi Roman. Un voyage en Caronie, c'est-à-dire c'est un voyage que, parce que vous m'avez dit les jours précédents, vous ne vous étiez pas rendu en Caronie depuis que la Caronie avait retrouvé sa liberté. Ce n'est pas un voyage à la première personne. C'est le voyage en Caronie d'un spécialiste de Odysseus Anon, justement. Et qui va sur cette trace. C'est la recherche d'un écrivain. Mais l'écrivain n'est pas Anon, c'est le maître d'Anon. Ce roman a failli s'appeler, dans la série des titres auxquels vous avez échappé, a failli s'appeler Le Maître du Maître. Il y a aussi un projet qui me tient tout à fait à cœur, mais qui est un projet difficile, dangereux, qui est ce livre que j'appelle L'Ombre Gagne, qui se situe évidemment dans la lointaine mouvance théorique, je ne parle pas de niveau de qualité, hélas, de Bouvard et Pécuchet, un livre que j'appelle un roman d'idées. Donc L'Ombre Gagne, et je sais bien que roman d'idées n'est pas très rassurant, mais c'est un livre dont les idées seraient les personnages. C'est le contraire d'un roman à thèse, alors. Oui, c'est tout à fait le contraire d'un roman à thèse. C'est roman d'idées, spontanément, on pense à Dostoïevski. C'est tout à fait le contraire de ça. C'est un roman où les idées sont les personnages, c'est-à-dire qu'il y en a de gentilles, de méchantes, de tout à fait monstrueuses, d'inadmissibles, de criminelles, de niaises, de bêtes, de... Et c'est un roman, vous n'êtes pas à proprement parler un écrivain engagé, en tout cas au sens traditionnel, ni même, je dirais, un écrivain témoin de son temps, pour employer un cliché, mais ça, spontanément, quand on entend L'Ombre gagne, on ne peut pas ne pas penser à deux ombres qui gagnent très très fortement, enfin la première qui est celle du sida, et la seconde qui est celle du fascisme. C'est ainsi que vous l'entendez ou pas du tout? Ce n'est pas ainsi que je l'entends, moi, qu'on l'entend dans ce titre-là. Je serai le dernier à m'en plaindre, oui, bien entendu. Il faudrait qu'on entende le plus de choses possibles, et certainement ces deux-là, oui. Et quelles sont par ailleurs vos lectures du moment ? Alors là, c'est tout à fait par hasard. Je lis en ce moment le livre le plus récent que j'ai lu, c'est un livre de Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis. Je lis beaucoup de manuscrits. J'ai tendance à me plaindre un peu parce que j'ai un public bizarre qui a tendance à m'envoyer des manuscrits. Je suis submergé sous les manuscrits et je ne peux pas en lire plus que je n'en reçois. Je ne peux même pas lire tout ce que je reçois. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai noté regardant avant ces entretiens votre dossier de presse chez Paul, votre éditeur. Je suis tombé sur une note de lecture qui a été faite dans le bulletin critique du Livre français, qui, vous savez, est destiné au lecteur français ou du français à l'étranger, qui concerne Aguet, donc qui est l'avant-dernier tome de votre journal. Et comme toujours dans ce bulletin critique du Livre français, on dit à qui le livre recensé est destiné en priorité. Et alors, je vous livre ce que j'ai lu vous concernant, c'est donc ce public peut-être qui vous envoie des manuscrits. Vos livres sont destinés aux amateurs de Renaud Camus et au public concerné. Jolie tautologie. Oui, absolument tautologique. Donc, je voudrais savoir, puisque vous semblez, à travers ces manuscrits, de savoir, qui sont donc ces amateurs de Renaud Camus et qui est donc le public concerné. Il y a vraiment, ils sont tout à fait difficiles à cerner. Quelqu'un avait dit, dans un article déjà ancien, avait dit de moi que j'étais un auteur dissolu. Ça m'avait bien plu. J'aimais assez être un auteur dissolu. Je pense qu'il voulait dire, entre autres choses, dissous dans l'air ou dissolu. C'est l'absentéisme à ce moment-là qui revient. Sans doute, oui. C'était à la fois l'homosexualité et l'absentéisme, parce qu'il faut le dire deux fois. Pas nécessairement l'homosexualité. Enfin, du moins, la façon dont vous en parlez, c'est pas l'homosexualité. C'était peut-être une référence à Pessoa ou à Anon. Ça m'avait beaucoup plu, mais je crois que
mon public, pardon, alors là il faut au moins quatre guillemets à l'avant, quatre de l'autre côté, mon public est tout à fait dissolu lui-même. En tout cas, il a une tendance graphomaniaque. Peut-être est-ce cela qui nous lie, lui et moi, c'est qu'il écrit beaucoup. Des journaux de lecture, des lettres en tout cas, et des livres. C'est pour ça que je reçois tant de manuscrits sans doute. Mais vous et par ailleurs, vous répondez à toutes les lettres. Je vis dans la mauvaise conscience perpétuelle, parce que je réponds comme je peux, mais je n'y arrive pas. Voilà, nous revenons à l'emploi du temps comme étant la question morale par excellence. Est-il plus moral de lire les manuscrits qu'on reçoit, de répondre aux lettres qu'on reçoit, ou d'écrire ses propres livres? Ce sont des questions qui se posent perpétuellement et qui sont des choix essentiels. Mais de toute façon, je n'y arrive pas. Je ne peux pas faire tout ce que je devrais faire. Ce qui fait que je vis dans la constante mauvaise conscience. Vous savez, Barthes avait ces fameuses lectures de jour et lectures du soir. Et si j'ose dire, me rapprocher de lui prétentieusement, mais par plaisanterie, moi j'ai des lectures continues, c'est-à-dire le livre que je lis le soir, un peu. Pas nécessairement par devoir, mais où je me force à lire la première page à la dernière, mais je pense que mon rapport normal, au fond, à la lecture, que j'ai longtemps refoulé, dont j'ai eu un peu honte, c'est de feuilleter. Je feuillette énormément, je feuillette passionnément. Et ça permet beaucoup plus et beaucoup plus étroitement l'osmose entre la lecture et l'écriture. Et peut-être que il peut y avoir un équivalent du feuilletage en écriture, une écriture feuilletée justement, où on va d'un sujet à un autre, d'une phrase à une autre, extrêmement rapidement. Mais je crois que mon mode normal à l'écriture, c'est de me saisir d'un livre comme ça, de lire 5 minutes, de le reposer. Finalement, on finit par lire les livres en entier, mais en procédant de façon souvent désordonnée, mais fétichiste. Il aurait fallu parler du fétichisme, du fétiche. J'ai un rapport peut-être à la littérature très fétichiste, c'est-à-dire l'envie d'aller directement à ce que je préfère, à cadrer suivant le désir. Et pour les livres que vous êtes en train d'écrire, est-ce que vous lisez des choses qui doivent alors là directement nourrir le livre? Enfin, par exemple, pour un livre comme Le Voyageur, est-ce que vous le nourrissez la bibliothèque sur la Carmenienne est énorme. Enfin, bon, d'ailleurs, je vois derrière vous des centaines de volumes traitant de la Caronie, tous ces volumes à reliure rouge, enfin qui sont toute une bibliothèque caronienne. Enfin bon, et est-ce que pour écrire L'Ombre gagne, vous lisez des livres qui contiennent toutes les idées que vous voulez mettre en carnaval, j'allais dire quasiment? Oui, dans une certaine mesure, mais je ne procède pas tout à fait dans ce sens, c'est plutôt en sens contraire. Je lis, je feuillette, j'apprends des choses, et puis ça finit par se glisser dans les livres. C'est plutôt comme ça, je ne suis pas un érudit ni un historien professionnel, donc je ne fais pas les études pour faire un livre quand je fais un livre. Mais je lis, je feuillette, je lis constamment, oui, dès que j'ai une difficulté d'ailleurs d'écriture, tout simplement donner son dénouement à une phrase, j'ai tendance à prendre un livre derrière moi ou à traverser la pièce pour en prendre un autre. Et tout ça finit par faire une sorte de terreau sur lequel l'écriture ensuite. Et je pense à un poète que vous citez tout le temps, et je dirais de plus en plus dans vos derniers livres, qui est Yves Bonnefoy. J'ai eu le sentiment que c'était quelqu'un comme ça que vous aviez à portée de la main. Je n'ai même pas besoin de l'avoir à portée de la main, parce que vraiment, je crois pouvoir dire, je connais à peu près toute l'œuvre poétique, en tout cas de Bonnefoy, par cœur. Donc je ne l'ai que trop à portée de la main, elle est en moi. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai un rapport littéraire difficile. Je n'ai qu'un rapport littéraire, je ne le connais pas, mais qui me semble paradoxal, parce que c'est un auteur qui est au fond un peu ignoré, en tout cas de la modernité, enfin qui ne semble pas tout à fait au cœur de ce qu'on pourrait appeler de façon peut-être un peu bébête les enjeux actuels de la littérature ou de la poésie, que enfin beaucoup de jeunes poètes considèrent comme extrêmement archaïque, mais peut-être est-il archaïque au sens le plus noble. Je suis troublé souvent par ses goûts picturaux, par exemple, qui sembleraient confirmer cette thèse. Enfin, ses intérêts en matière d'art ne sont pas tellement, au fond, ceux qui me sont le plus proches. Et malgré tout, il y a une insistance en moi de Bonnefoy
C'est un poète que j'adore, sans avoir tout à fait bonne conscience à l'aimer tant, mais que j'aime énormément, c'est vrai. Et quelquefois, il m'attire certaines moqueries. Et vous l'avez découvert quand? Parce qu'il apparaît, je le disais, assez récemment dans vos livres, et enfin, il me semble, sauf erreur, absent de vos premiers livres. En tout cas, je lisais et j'aimais Bonnefoy longtemps avant d'écrire ou en tout cas de publier des livres. Ah oui, j'aimais Bonnefoy 15 ans. J'ai toujours été fou de Bonnefoy. Vous connaissez vraiment par cœur Yves Bonnefoy? Vous pourriez m'en réciter, par exemple? Oh oui, bien sûr, je pourrais en dire beaucoup, oui. Je ne sais pas, toi que l'on dit qui bois de cette eau presque absente, souviens-toi qu'elle nous échappe et parle-nous. Des pommes nouilles, des dizaines, à la voix de Kathleen Ferrier. Dizaines de choses. Mais la question que je me pose à propos de Bonnefoy et plus généralement à propos des artistes anachroniques, par exemple, on a une certaine réticence à admirer pleinement des hommes comme, pour passer à d'autres domaines, comme un Baltus ou un Chostakovitch, qui sont des artistes qui semblent avoir été indifférents à leur temps, aux grandes questions esthétiques de leur époque, dans leur art particulier. Par exemple, je sais que j'ai eu une très très longue résistance à l'égard de Chostakovitch, qui était un artiste que je méprisais presque, pour ne tenir aucun compte de l'histoire de la musique de son temps, me semble-t-il. Et puis finalement, avec du recul, cette question devient-elle si essentielle que les gens aient été modernes? Après tout, Richard Strauss, que nous avons bien... lui aussi un peu méprisé, ce n'est pas si mal. La question de l'anachronisme est tout à fait centrale dans ce que je n'ose appeler ma réflexion. Mais évidemment, ma préférence va plutôt aux artistes anachroniques en sens inverse, à ce que j'ai appelé carrément les anachronistes, qui est pour moi un fantasme d'exposition. Par exemple, j'adorerais organiser une exposition sous ce titre, les anachroniques ou les anachronistes, c'est-à-dire les peintres donc, qui sont... indépendants par rapport à leur temps, mais de préférence qui sont en avance par rapport à leur temps. Ça peut être des artistes immenses et géniaux comme Greco ou Turner, qui sont, je trouve, tout à fait anachroniques, enfin qu'il est difficile de limiter à leur époque, mais ça peut être des artistes beaucoup moins importants qui sont très intéressant par leur inappartenance, plus ou moins. Je pense à un peintre florentin du XVIIe siècle pour lequel j'ai une véritable passion, qui s'appelle, qui est vraiment lui très peu connu, qui s'appelle Checco Bravo, qui est un peintre, je trouve, tout à fait merveilleux. Mais ça peut être, pour passer un animal un peu plus grand, Magnasco, par exemple, peintre qu'il est très difficile de confronter à son époque. Mais à toutes les époques, il y a eu des artistes de ce genre. Il y a les stupéfiants dessins cubistes de Luca Cambiaso, par exemple, à la fin du XVIe siècle, qui figuraient brillamment dans une exposition sur les anachronistes. Il y a Ravier, ce peintre lyonnais ou d'école lyonnaise, qui est quasiment abstrait dans ses paysages. Il y a les incroyables... tableaux qu'on appelle du placard de Gustave Moreau au musée Gustave Moreau, ces tableaux qui sont absolument abstraits. Alors est-ce que l'abstraction est née chez Gustave Moreau? Évidemment, il faudrait savoir ce qu'en pensaient les artistes eux-mêmes. Lui, peut-être, n'avait pas du tout le sentiment qu'il œuvrait, qu'il faisait les choses qu'il pourrait signer. Mais ces tableaux placés dans une exposition seraient tout à fait saisissants, hein, et on pourrait citer les dizaines d'autres noms. Les exemples que vous prenez sont strictement inverses, de plus en plus, des exemples que vous avez... Oui, bien sûr, c'est par le biais de l'anachronisme. Oui, c'est ça, hein, vos anachroniques sont maintenant des plagiats par anticipation, sont des anachronismes prospectifs, alors qu'on est parti d'anachronistes réactifs, rétroactifs. Retournement, grâce à l'amphibologie sur le terme anachronisme. Mais quel est le rapport entre, enfin, parce que disons, laissons de côté les anachronistes prospectifs dont vous parliez à l'instant. Est-ce que les anachronistes rétroactifs comme Bonnefoy, Baltus ou Chostakovitch ont à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la postmodernité, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent et qui est assez présente dans votre œuvre, puisque dès vos premiers livres, vous citez souvent des écrivains comme John Barth qui passent pour ou Pynchon, ou Pynchon, ou des peintres comme Gilbert et Georges, enfin qui passent pour le prototype d'une certaine façon, d'une certaine postmodernité.
Peut-être que ces artistes dont nous parlions d'abord, donc mettons ces trois grands dans trois genres différents, Shostakovich, Baltus et Bonnefoy, ont quelque chose à voir en effet avec la postmodernité et en ce sens seraient des anachronistes prospectifs. Alors parce que je ne pense pas qu'ils l'aient prévu, enfin ils n'ont certainement pas visé à s'inscrire dans ce mouvement-là. Non, des anachronistes rétrospectifs. Non, prospectifs, puisqu'ils annonceraient la postmodernité. Ah oui, d'accord. Absolument. Et vous-même, vous avez le sentiment, puisque vous vous définissiez au début de cette conversation lundi dernier comme un conservateur et même un conservatoire qui était allié à certaines zones de la modernité, alors vous vous définiriez comme un anachroniste prospectif, un anachroniste rétrospectif, un postmoderne, un anachronique tout court. Enfin, comment vous définiriez le paradoxe Renaud Camus? J'aurais le plus grand mal à me définir. Je suis bien content que cette charge ne me revienne pas. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Renaud Camus s'entretenait avec Jean-Pierre Salgas. Réalisation, Nicole Salerne.